Salut les Total, ça va? Salut à Salut, toi, toi. salut à tous. Oui, ça va bien, ça va bien. En connexion au château en cours. Donc je vous explique le principe qui a été dit à la fin de la vidéo. Vous posez vos questions sur le jeu vidéo, le cinéma ou la musique, et les Total y répondront. Donc allez-y, à vos questions. C'est Voilà. ça. Bah, pendant que les gens en posent, tu parlais d'NBA 2K14, je crois, sur Oui. Next Gen. Je peux t'en parler, moi, sur Current Gen. C'est juste la simulation de basket référence, quoi. Si t'as... De toute C'est la façon, seule, mais... il n'y a pas NBA Live en face sur, sur Current Gen. Mais c'est vraiment ouf. C'est bon, évidemment, voilà, graphiquement, tout ça. Enfin, si t'as la possibilité de le prendre sur Next Gen, prends-le sur Next Gen, parce que c'est dingue. Mais sur Current Gen, voilà, t'as une expérience. Au niveau du basket, enfin voilà, c'est vraiment très proche de ce qu'est le basket, avec des contacts et tout ça. T'as des modes de jeu en chier, enfin voilà, il y a une vraie évolution, notamment moi qui étais resté sur 2K12, et donc n'hésite pas quoi, enfin voilà, franchement, vas-y, prends-le, c'est une tuerie. Et j'ai pu tester NBA Live puisqu'il y a la démo sur le PSN. Ah oui? J'ai vomi. Alors, est-ce que vous avez vu la nouvelle sur Paul Walker ce matin? Oui, on l'a vu. Bah en fait, on a ouvert les yeux ce matin, donc forcément on l'a vu, quoi, parce Oui, que c'est ça vrai nous a un qu'on tout en petit peu parle. agressé toute la Bah, journée. on en parle un peu partout. C'est vrai que d'un coup, moi, mon Facebook, mon Twitter, c'était partout, RIP partout. Enfin voilà, c'est le gars. Bon, il est mort, C'est c'est triste. dommage, c'est triste. Voilà, c'est un acteur qui est mort, mais il y a combien d'acteurs qui meurent chaque année? Bon. Il est mort un peu con, voilà, il est mort dans un accident de voiture, c'est des choses qui arrivent. C'est malheureux, après, c'est comme ça. Enfin, je veux Oui, dire, on va voilà. rien y changer. Après, pour ceux qui se posent la question, j'ai vu sur le chat, par exemple, pour la suite de Fast and Furious, puisque Fast and Furious 7 était déjà, je crois, en tournage même, je crois, enfin, un truc du genre, Oui, c'est en ça. tout cas en production. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis Non, oui, oui. c'est ça, je confirme Ah ce que tu d'accord. dis. Oui, il était en production tout ça, donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner pour la suite. On ne sait pas parce que c'est vrai que comme c'est un l'acteur principal avec comment il s'appelle Vin Diesel. Vin Diesel, est-ce qu'ils vont le faire mourir dans le film? Ça c'est quelque chose de beaucoup moins sûr parce que c'est vrai que c'était un acteur qui faisait tenir le film, quoi, on va dire. C'était l'acteur principal, donc la tête d'affiche. Donc on verra bien. Ouais, Pour l'instant, on n'a pas d'infos, quoi. après je pense que aujourd'hui même c'est pas leur première pensée quoi. Non, Hein, non, bah voilà. non, 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 je pense Soyons pas. honnêtes. Mais c'est vrai que 40 ans, c'est jeune et voilà, C'est c'est. voilà, c'est j'ai envie de dire c'est un accident, C'est con, c'est con. ça peut malheureusement arriver à n'importe qui, Paul C'est Walker ou ça. pas Paul Walker quoi, c'est ça, hein. Ça arrive tous les jours à des dizaines de personnes malheureusement et c'est la vie quoi. Donc la question de Iceman qui où effectivement j'avais pas vu que tu en avais posé une bien avant. Ils ont parlé de quoi sur la série des Halo? Alors il c'est qui, je sais pas. Est-ce que c'est Je vous? pense. Est-ce que c'est les... Ils ont Bah de toute parlé de façon, quoi? il y a rien eu, hein. Personne n'a parlé Non. des Halo. Enfin, oui, moi je cite dans une des news, je cite, enfin je dis la série Halo. C'est juste parce que Microsoft a fait une Voilà. vidéo pour montrer que les meilleurs jeux étaient sur Xbox One. Et encore une fois, enfin, allez Enfin, venir les sur. exclus. Enfin, pour Ouais, montrer voilà, à les quoi meilleurs les exclus. Enfin exclus. bon, enfin, voilà une vidéo, une grosse vidéo. Et dans cette vidéo, bah on voit Halo, Ouais. on voit le Master Chief en tout cas. Bah, on voit le trailer tout simplement Oui, de l'E3. la fin du trailer de l'E3, mais en tout cas, ils le rappellent. Ouais, C'est-à-dire c'est ça. qu'ils le remettent vraiment en avant en disant, voilà, seulement sur Xbox, vous avez Halo, et c'est plus que le Halo qu'on a eu Voilà, là. c'est ça. C'est le Halo Spartan Assault qu'on avait vu, c'est-à-dire le STR un peu bidon qui était sorti sur mobile et PC. Là, on a là Microsoft nous fait un peu plaisir en remettant le trailer, en mettant bien Halo. Et Alors qui et Halo va arriver. Donc voilà, c'est c'est voilà. ça. Mais après, je sais pas, je crois pas qu'ils mettent Halo 5 ou quoi que ce Non non soit, non ils non. mettent Halo. Alors, est-ce que c'est un reboot? Est-ce que c'est encore une fois Non le mais il par 2 il qui est parle remis non en non non HD? mais il parle de la série. Ils disent la série Halo. Enfin Ouais, c'est ouais. vraiment ça. La série Halo seulement sur Xbox Halo One. Series, ouais. Mais vu que c'est un trailer sur les jeux qui vont venir possible sur la Xbox One. Mais Voilà après ça voilà, donne. on sait pas du tout ce que Ah non c'est. Est-ce que après. c'est un cinquième? Est-ce que c'est un reboot? Est-ce que Oui c'est mais bon. le 2 en HD, ce En qu'il avait dit? au moins c'est encourageant. Voilà, c'est encourageant, c'est pas le vieux STR pourri, quoi.
Bah écoute, désolé si on n'est pas très intéressant pour toi, GGRPG, je te souhaite une bonne soirée. Salut! Amuse-toi bien, salut. Exactement. Du coup c'est monté. Deathstroke, je ne pose pas ta question parce qu'elle rejoignait et ils y ont répondu. Vous avez des préférences pour la Xbox One ou la PS4? Ah là, c'est des questions à chaque fois qui reviennent et c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est franchement Microsoft. En fait, ce que je trouve dommage avec Microsoft, c'est vraiment leur communication qui est de plus en plus horrible. C'est-à-dire que on a beaucoup d'exclus. En fait, c'est vrai que il y a quand même pas mal d'exclus qui est prévu pour 2014. La vidéo justement qui est sortie cette semaine nous a permis de revoir tout ça parce qu'on peut par exemple nommer Project Spark. Bon, ça, c'était pas dans la vidéo. Ça d'ailleurs, c'est un oubli. Si, je Mais crois qu'il y était. Je crois ah, qu'il y a un je moment. moi, j'ai plus souvenir. Enfin bref, il y a Project Spark, il y a Sunset Overdrive, il y a Halo, Quantum il y a Break. Fable, Quantum Break. Enfin, voilà, c'est des séries qui vont revenir sur Xbox One. Alors bon, c'est des suites. La plupart, c'est des suites. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, ça s'annonce quand même pas mal. Après, t'as Microsoft qui a annoncé aussi cette semaine avoir fait des accords avec des studios japonais. On peut nommer par exemple le jeu D4, un jeu complètement loufoque avec Kinect qui a l'air complètement. Enfin, faut juste voir la vidéo de gameplay de l'E3 pour voir quand même que c'est bien japonais. Et ils ont signé des accords avec des japonais, avec des studios japonais. Alors, ils n'ont pas dit lesquels exactement. C'est juste qu'il y a D4 pour l'instant. Est-ce qu'il y aura un Yakuza? Est-ce qu'il y aura un Shenmue? On n'en sait rien. Mais pour des exclusivités Xbox One. Donc, on peut s'attendre à vraiment avoir pas mal de studios. On attend les noms. On attend aussi qu'il y ait des studios, pas seulement japonais, mais aussi américains ou européens, enfin vraiment un autre genre, parce que japonais, souvent, c'est, voilà, on sait très bien que c'est du japonais, ça ressemble à du japonais, ça ressemble pas à autre chose, c'est très original, mais il faut aussi du américain pour vraiment avoir un large public. Là, pour l'instant, honnêtement, les exclus, avec la vidéo qui est sortie cette semaine, Microsoft nous rappelle qu'il y aura des exclus en 2014, et nous rappelle quand même que par rapport à la PS4, pour l'instant, les exclus valent. Alors, on attend vraiment l'annonce de Sony, par exemple pour Uncharted, c'est-à-dire le samedi prochain, on aura le trailer de Uncharted. On attend vraiment des trucs, vraiment des exclus, d'autres exclus faits par les Japan Studios, faits par, enfin, je sais plus les noms exactement. Enfin, il y a plein de studios à propre à Sony. J'attends qu'il y ait des annonces. On verra bien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau exclus, pour 2014, je pense que ça va se valoir à peu près avec la PS4. Après, c'est pour l'avenir que ça va être beaucoup plus compliqué. Faut que Microsoft nous annonce des noms, faut que Microsoft nous annonce des petits trucs comme ça, des studios acquis ou pas. On verra bien, de toute façon, l'avenir nous le dira, comme on peut dire. Pensez-vous que le pack PS Vita plus PS4 à 600 € est un prix correct? Alors, je sais pas où est-ce que tu as Le vu le prix, prix, parce non, moi j'ai qu'on en a pas. justement parlé la Ouais. semaine dernière, où ça avait été révélé par une photo volée. Alors, tu as peut-être raison, hein, on est peut-être passé à Peut-être. côté. Honnêtement, j'ai pas entendu parler. 600 € pour les deux, je dirais que c'est la C'est un peu limite. cher. C'est la Voilà. limite, parce que disons qu'il l'aurait sorti à 500 € Ouais, le c'est prix un d'une peu Xbox dur, One, mais. c'était le bon coup. Là, 600, bon, faut comprendre qu'il y a quand même du gros matos électronique. Enfin voilà, je veux dire une PS4, une PS Vita, c'est quand même, c'est des trucs. Enfin voilà, faut comprendre qu'il y a du matos. Alors après, enfin je trouve que c'est pas trop cher. Ça Bah, va, le truc, c'est la limite. Moi je comparerais en fait tout simplement, faut voir dans quelle époque on vit. On vit dans une époque où les gens sont prêts à mettre 800 balles dans un téléphone portable qui s'appelle iPhone. ou autre, hein, d'ailleurs. Ou oui non mais surtout iPhone non parce que Oui, les autres oui, on a oui. regardé. Enfin bon, même par exemple tu prends un Samsung, c'est 500 600 €, un téléphone portable. Donc comparativement. Bah finalement, un pack comme ça à 600 balles, c'est même une très bonne Ouais. occasion. Je pense que voilà, 600 € c'est le prix qu'il faut pas dépasser. Alors, Ouais. on n'est pas sûr. Hein. Enfin, moi, je m'avance pas. Si tu as une source, c'est très bien. Mais je m'avance pas sur ce prix-là. Si c'est 600 €, c'est super. Si c'est en dessous, c'est carrément génial. Si c'est au-dessus, c'est très risqué pour Bah, Sony. parce que le truc, c'est que s'ils mettent au-dessus, de toute façon, ça vaudra pas le coup de prendre le pack. T'es mieux de prendre la console à part et plus tard la PS Vita, par exemple, puisque la PS Vita, je crois qu'elle. C'est vrai que l'avantage Ça de a prendre un coupé pack, à la c'est PS d'avoir.
La PS Vita vaut et on n'a pas entendu. Ah, la PS Vita, la PS Vita vaut, je crois, 250 euros ou 200 euros, enfin, je sais plus. Mais l'avantage d'un pack, c'est justement d'avoir les deux équipements pour un peu moins cher. On dit pas 100 euros, bien sûr, mais moi j'aurais plus vu un truc à 550 euros pour vraiment que les gens n'aient pas envie de dire je prends la PS4 et puis dans 2 mois ou 3 mois je prends la PS Vita, ça me reviendra au même prix. Donc, bon, voilà. Donc on verra bien après si vraiment c'est sûr et certain 600 euros. Si la PS Vita est à 250 euros seule, je dirais oui, pourquoi pas. Si par contre elle est à 200 euros, je dis que c'est peut-être une erreur de Sony. Après faut savoir que par exemple le Remote Play est un bah c'est fait c'est voilà c'est vendu exprès hein, c'est pas pour les jeux puisqu'on sait très bien que sur PS Vita ça manque encore un peu et ça manquera peut-être pour toujours mais en tout cas c'est pour le Remote Play et à savoir que le Remote Play alors c'est un truc qui marche nickel apparemment tu peux aller plus loin qu'avec une gamepad, le gamepad de la Wii U donc tu peux aller dans les toilettes pour jouer il n'y a pas de souci ça marchera mais faut savoir que tu as une perte de qualité quand même. Je crois que c'est plus la même résolution, t'as une petite perte de qualité par rapport au jeu sur la télé. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne idée. 600 euros, faut voir, faut voir. Avez-vous des nouvelles de Destiny? Non, non, c'est vrai. Non, ma voix, non, et je pense qu'on va pas en avoir beaucoup. Non, Bungie, jusqu'à la bêta, à mon avis. c'est pas des gens qui communiquent énormément, même si c'est Activision qui est derrière et que c'est Activision qui va faire la pub. Mais en effet, il va y avoir la bêta qui va sortir début janvier. Donc il y a des gens qui vont y jouer et tout ça. Je pense qu'on va en entendre parler un tout petit peu avant la bêta, notamment samedi prochain au VGA, où les VGA vont sûrement être une cérémonie de malade mental Ouais, qu'on vous conseille de regarder. mieux que le 3 à mon avis peut-être niveau Peut-être, annonce. déjà l'année dernière, ça fait un ou 2 ans qu'il y Oui. a des très grosses annonces. On se souvient de Phantom Pain, notamment, enfin il y avait eu des trucs de malade qui étaient arrivés justement. Enfin, c'est comme ça que ça a fait connaître les VGA aussi. Oui. Et donc je pense que cette année, Destiny va être à surveiller de ce point de vue-là. Donc Ouais. samedi prochain, De toute façon, il pourrait y avoir une je vidéo. pense que même s'ils en parlent pas samedi prochain, là, de toute façon, c'est fin décembre. On va arriver aux fêtes de fin d'année. Enfin, tout le monde va être là-dedans. Donc, déjà au niveau news et tout, jeux Oui, ça va vidéo, commencer à se ça va raréfier. commencer, voilà, à plus rien avoir. Et moi, je pense qu'ils vont revenir vraiment à l'attaque un peu avant la bêta et pendant la bêta, en mettant un max de trucs, en expliquant un max de fonctionnalités. Parce que le jeu, je sais plus quand est-ce qu'il sort. Mais Je il n'y a crois que pas c'est de date, mars. il n'y a pas de Non? date Ah bon? précise, il n'y a pas de date précise, c'est printemps Ouais, donc 2014. ouais, je pense qu'on peut s'attendre à avoir pas mal de communication à la bêta. Alors, je vais dire deux, trois trucs là pour expliquer à Antoine et FX le principe notamment. Là, on ne joue pas, oui, on est donc avec les Total Gamers. Il y a vous posez des questions sur l'actualité du jeu vidéo, du cinéma et de la musique et ils vous y répondent. Et après, on va faire ça jusqu'à, on sait pas, mais maximum 23h30. Et après, il y aura du jeu vidéo de nouveau. Et pour FX, ça sert à rien de répéter 40 fois la question. Tu la poses une fois, je fais les unes après les autres. Si tu vois vraiment que je te rate, là tu marques, bah tu m'as raté et tu reposes ta question. Mais il faut attendre que j'arrive à ta question. Je vais pas la poser avant les autres, ça serait pas normal. Enfin, voilà. Est-ce que l'éditeur Rare vit encore? Car ils avaient fait des chefs-d'œuvre comme Conker's Live et Reloaded. Non, enfin, je Rare. crois pas. Il me Alors, semble, c'est un vieil éditeur. Il me semble que c'était mort à l'époque de la Nintendo 64. moi, je connais un rare de cette époque, c'est ceux qui font les jeux Kinect Sports. Ah, Alors, parce est-ce que que, c'est celui-là? Je ne sais ouais, pas. alors je sais pas. Moi, j'ai quelque chose dans la tête. C'est ceux qui faisaient Banjo et Kazooie, Bah, ça doit être ça notamment. parce que ça appartient à Microsoft, à mon avis. Donc, oui, ça doit être ceux Ouais, je qui sais font les pas. Alors, Kinect Sports maintenant. moi j'avais entendu parler, j'avais vu des émissions là-dessus, des gens qui en parlaient, qui parlaient ça, qui en parlaient au passé, et qui disaient que voilà, Rare s'était perdu avec des histoires d'argent et tout ça. En tout cas, c'est pas un studio qui fait tilt dans nos têtes aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose dont on entend parler. Et je saurais même pas te dire si c'est encore vivant. Alors peut-être, comme Jokman dit sur les, Moi je te j'ai dis, pas un Kinect là là sous la tu me main. parles de Banjo-Kazooie qui était une exclue Microsoft. Pour moi Rare c'est ça. Alors là ouais, J'ai non pas pas de de Kinect, j'ai pas Kinect de Kinect Sport. sous la. Mais moi je suis sûr que c'est Rare qui fait ça. Si c'est ça, ils font plus que ça. Ils sont tombés bien bas s'ils avaient fait des trucs de fou. Mais en tout cas oui. Moi en tout cas je sais que Rare
Alors, est-ce que c'est cette boîte-là? J'en sais rien. Est-ce Ouais, parce qu'ils ont qu'après pris ça le peut même être nom? Je d'autres sais noms et pas. tout ça. Mais Rare, c'est une boîte aujourd'hui qui fait les Kinect Sports. Que pensez-vous de la Steambox? Toujours pas grand-chose à en Voilà, pas penser. grand-chose. Alors, à savoir qu'il y a eu un prototype qui a été fait cette semaine Oui, par une j'ai vu. marque, je sais plus quoi. Je sais plus quelle marque, ouais, je sais plus. Ouais, Et j'ai vu ça aujourd'hui, ouais. la Steambox serait vendue à 600 €, ce que j'ai vu. Et il y en a plein qui disent, bah moi je vais l'acheter à la place de la Xbox One, de la PS4. Alors il y a un truc aussi, c'est Nvidia, je sais pas si ça c'est voilà, Nvidia qui a tout simplement traité la nouvelle génération de trucs de merde et de trucs qui servent à Ouais, bah rien et des trucs voilà. c'est un peu à la mode là en ce Oui, moment. et de toute façon ils ont très clairement dit dans leur message que de toute façon les consoles étaient équipées de AMD, donc ça pouvait pas bien marcher. Bon ça c'est la concurrence. En tout cas ils ont dit par exemple la pub, ouais maintenant on fait des PC mini PC pour gamer que tu peux mettre dans ton salon, tout ça. Moi ce que j'ai à leur répondre, j'ai bossé, enfin j'ai fait des stages tout ça dans des boîtes de maintenance informatique. Juste à ce que j'ai à répondre aux joueurs qui veulent acheter cette merde. Si vous jouez à peu près 4 heures par jour, votre PC durera à peu près 6 mois de durée de vie, tellement ça chauffe, puisque si c'est fait pour gamer et vu que c'est Nvidia, c'est les dernières technologies de carte graphique qu'il y a dedans, et autant dire que les dernières cartes graphiques chauffent énormément, et dans une petite boîte, t'as pas énormément de possibilités de refroidissement, et ça fait vraiment peur. Pour la Steambox, t'as pas, ça sera 600 balles, mais pour combien de temps? Parce que si c'est les jeux PC, t'auras une évolution par rapport au jeu PC, et donc pour une architecture console, je pense pas que ça soit le bon truc parce que la console, elle va être les jeux qui vont sortir dessus, ça va pas se développer, enfin les moteurs graphiques vont rester à peu près au même niveau jusqu'à voilà arriver à un certain point. Le PC, on sait très bien que dans un an, on aura des trucs très réalistes, plus réalistes que sur console, ou dans 2 ans. Et là, arrivé là, la Steambox, ça sera peut-être, elle sera peut-être, elle en aura peut-être marre de fonctionner. Donc, franchement, les petits boîtiers comme ça, où tu sais très bien que ça va tourner du jeu PC, parce que les jeux PC, quand on a des mal optimisés, je peux te dire que ça chauffe pas mal. Hein, on peut nommer par exemple Minecraft, hein, qui est pourtant un tout petit jeu et pourtant très mal optimisé et qui fait chauffer ta machine. Je peux te dire que une box de la taille d'une Steambox ou de la taille du Nvidia Gamer, votre PC ou votre console, si on peut appeler la Steambox une console, va durer 6 mois, 1 an, parce que les machines, ils vont chauffer comme n'importe quoi. Donc honnêtement, la Steambox, c'est une console qui a l'air bien sur le papier, mais qui dans la durée de vie risque de faire flancher, enfin ça risque d'être complètement nul en fait. Comme ça, oui, quand vous allez l'acheter, ça va bien fonctionner, vous allez dire ouais putain c'est génial, mais faut pas oublier qu'on est sur un SteamOS, et donc un SteamOS va avoir que des jeux déjà, donc par rapport à la Next Gen déjà t'as un désavantage. Mais en tout cas, voilà, ça va. Pour moi, les consoles comme ça qui vont faire tourner du jeu PC, qui vont demander un max de puissance, et surtout la Steambox qui peut pas avoir de pièces changées, c'est une mauvaise affaire. Surtout si elle est vendue 600 balles, Ouais, c'est après, une très mauvaise tant qu'on affaire. n'a pas de caractéristiques Oui, non, techniques c'est très sûr. précises, c'est difficile de se prononcer C'est quand même sûr. Mais dessus. si c'est vendu 600 €, autant dire que ça vaut pas du tout le coup. Que pensez-vous de Stoneheart? Tom Hertz, non, je Rien du connais tout. pas. Ouais, non, je connais pas. Ça me dit rien de nom, même pas. Non. Stoneheart, non. Non, précise ta question, garçon, mais Non, je leur sens non, encore un peu ça me beaucoup. dit rien, ça me dit rien. Oui, donc apparemment pour Rare, hein, Grisbert nous valide le fait qu'ils ont bossé sur Kinect. Ouais, alors est-ce que c'est les mêmes ou pas? Est-ce que c'est parce que bon, ça peut même être la même société, mais pas avec les mêmes personnes dedans, ce qui en Oui, fait bah aussi. ça peut être possible aussi, oui. Parce que je sais qu'il y a, enfin, c'est un nom rare en tout cas qui me dit quelque chose. Je te dis dans des émissions où on en parlait au passé, mais voilà, faire des jeux Kinect aujourd'hui, c'est dur, quoi. Bah surtout que c'est des jeux Kinect Oui, qui sont voilà, tant qu'on pas. voit ce que c'est dur. Oui, peut-être que justement ils se sont perdus dans l'argent, ils ont eu des défauts, ils se sont fait racheter par Microsoft et c'est là où
Du coup, ils se sont retrouvés à faire Kinect, enfin, Ouais, d'autres bah, choses. c'est peut-être le souci. Après, est-ce que c'est parce que c'était un studio qui n'avait plus d'idées, qui ne faisait plus rien? Microsoft, ils ont dit, putain, on va pas foutre de l'argent là-dedans pour rien, donc ils ont peut-être dit, on va lancer Kinect, donc ils vont faire des jeux Kinect. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être pas une affaire de réel de sous réellement, mais c'est vrai que c'est dommage de faire que du jeu Kinect, parce que s'ils en font, à la rigueur, bon, pourquoi pas, mais s'ils font que ça, voilà quoi. Alors apparemment, Stoneheart, c'est un jeu indépendant qui s'est fait kickstarter de ouf. D'accord, bah non, je Non, connais pas, pas connais entendu pas, parler. non. Pourtant, genre, on entend parler entre deux de jeux comme ça indé qui se font kickstarter, donc, puisque à la C'est un rigueur, verbe maintenant. inventons des verbes et oui, faisons évoluer la langue française, Kickstarter. on a raison. Mais non, pas entendu plus que ça en tout cas, C'est disons. qu'hier, je me suis fait Facebooker D'accord. et tweeter. Et D'accord. surtout, tweeter en plus, ça se dit. Oui, tweeter, ça se dit. Surtout que c'est des mots très français. Ouais. La PlayStation qui a connu l'époque des jeux mascottes comme Crash Bandicoot, Spyro, Medieval, qui ont été des succès, pourquoi Sony n'en fait plus? Parce que l'époque a changé, tout simplement. Oui. On n'est plus du tout dans la même idée. À l'époque où Spyro ou Crash Bandicoot étaient sortis, ou Rayman, ou ce genre de trucs-là, c'était l'époque de la guerre Nintendo-Sega, Mario-Sonic. Et voilà, je viens de te dire Mario et Sonic, c'est deux mascottes qui s'affrontaient l'une face à l'autre. Et donc, quand Sony est arrivé, il fallait à tout prix s'imposer sur le marché. Il fallait à tout prix arriver et dire, moi, j'ai mon bonhomme, mon représentant en face de Mario et de Sonic. Donc, il y a eu les Rayman, il y a eu les Crash, il y a eu tout ça, qui n'ont jamais réussi, soyons honnêtes, à atteindre la notoriété d'un Mario ou d'un Sonic. Même si ce sont de très bons jeux, ce sont des mascottes que beaucoup ont en tête, tout de même, bon voilà, on sent qu'il y a un cran en dessous, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de mascottes chez Sony. Après, bah, pourquoi ça s'est arrêté? Enfin, très vite, je veux dire, sur PS2, ces mascottes-là n'existent quasiment plus. Je me trompe peut-être, bon, il y avait encore les Ratchet & Clank, les Jak et Dexter, je pense pas qu'on puisse appeler ça vraiment des mascottes, comme les Tank Ils Crash. étaient pas sur PS, hein, Ratchet & Clank, donc c'est Non, ils sont une arrivés sortie sur d'après. PS2, mais tu vois, dans l'idée d'avoir des jeux à mascotte, il y a eu les Sly Cooper aussi, qui étaient pareils sur PS2, qui n'étaient pas sur PS1. Donc, il y a eu cette filiation un petit peu, mais tu vois, déjà, on est passé de Crash, Rayman et Spyro à Ratchet & Clank, Jak et Dexter Ce sont des équipes, et ouais. Sly, qui sont bon des équipes, mais qui sont déjà moins connues. Et puis, tout simplement, c'est plus dans l'air du temps. On voit aujourd'hui que bon, Mario fait plus autant recettes qu'avant. Même si, bon, on est d'accord, tu sors un jeu Mario, ça marche, mais avant, tu sortais un jeu Mario, c'était raz-de-marée, c'était la folie, c'était le pilier. Là, aujourd'hui, Nintendo sort des jeux Mario, un petit peu par dépit, parce qu'ils savent pas quoi inventer de nouveau. Bon, on voit Sonic s'est perdu avec Sega un petit peu. Et voilà, on est plus, et puis on est plus, les gens n'ont plus besoin d'associer à une marque un nom précis. Tu penses, mais même tu penses PS1, moi, personnellement, je vais pas d'abord penser aux mascottes. Je vais penser à des jeux Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Gran Turismo. Ça me marque. Tu penses PS2, pareil. Donc je pense que c'est tout simplement ça. C'est dans l'air du temps, c'est marketing. Il n'y a pas besoin de faire de mascotte, donc on n'en fait pas. Non, à savoir aussi que dans la pub, pour ceux qui ont vu la pub télé pour la PS4, on a un moment, un panneau, alors ça c'est, les mecs sont complètement dingues, ils ont analysé en fait un panneau interdiction avec Crash Bandicoot au milieu, une flèche vers le haut, donc toujours des panneaux de signalisation, hein, une flèche vers le haut, et le signe Sony, mais c'est le signe, le carré blanc avec un carré jaune au milieu, enfin voilà, je sais pas si vous Ouais, voyez, en le fait, signe de la PS1. voilà, et en fait, on a appris que Sony aurait dû racheter Crash Bandicoot pour la PS4 à Activision, puisqu'il faut savoir que Spyro et Crash Bandicoot appartiennent maintenant à Activision, puisque Spyro c'est Skylanders et Et Crash Crash, ça n'existe Bandicoot, plus. ça existe, enfin le dernier date de 2010 ou 2008, je sais plus. Oh, plus que ça, mais Non, hein. non, 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 c'est Ah, il y a non, sur récemment Game sur Boy Wii, tout ça. aussi. D'accord. Oui, voilà. Et Medieval, par contre, bon, voilà, lui, il Ah oui, est j'ai pas. complètement parti. Et Medieval, je crois que c'était par Neversoft, et maintenant Neversoft travaille sur Call of Duty. Bon, voilà. Mais en tout cas, Crash Bandicoot devait être acheté. Malheureusement, Activision a dit non, 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 c'est nous qui allons faire le jeu. Alors, apparemment, Crash Bandicoot pourrait revenir, mais pas Activision. Mais en tout cas, voilà. Les mascottes aujourd'hui servent plus à grand-chose. On est plus sur du sur le genre de jeu, enfin sur les exclus particulièrement, pas spécialement pour dire j'ai la meilleure mascotte, voilà, c'est comme ça. Enfin, de toute façon, je pense aussi que pourquoi ça n'existe plus, c'est aussi parce qu'il y a eu des très mauvais jeux qui sont sortis.
de Crash Oui, Bandicoot et de aussi. Spyro. Et ça a pas aidé à les Non, c'est vrai, sortir un peu de la. mais il pourrait en recréer d'autres. C'est ça le truc, il pourrait Ouais. d'un coup recréer une nouvelle mascotte. Mais je pense aussi à ça, c'est que toutes ces mascottes-là, elles sont associées à un genre de jeu qui est la plateforme, qui est le genre de jeu universel, que tout le monde peut jouer à de la plateforme de 3 à 99 ans quasiment, même avant 3 ans, et même après 99 ans si on est encore en état de jouer. Et aujourd'hui, faut se rendre compte que la plateforme, ça appuie la cote. Donc voilà. Voilà pourquoi on ne crée plus de mascotte aussi. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est vrai. Mais voilà, je pense qu'il y a un ensemble de règles qui se mélangent dans la marmite et qui fait que il en sort pas de mascotte. Voilà. Alors, votre idée sur le cloud gaming? Aujourd'hui, bon, même, bon, est-ce qu'on peut appeler le, oui, on peut appeler ça un peu de cloud gaming, le système aujourd'hui sur PS4 et Xbox One qui permet de jouer avant la fin du Oui, bah téléchargement, c'est un c'est un peu peu ça? l'idée. Bah, bon, le cloud gaming et le cloud computing, technologiquement parlant, c'est une très grande trouvaille. Oui, C'est un c'est pas truc exactement la de. même chose, mais c'est vrai que c'est Non, mais une. bon, c'est. Non, mais justement, les deux, enfin, tu vois, Ouais, bien sûr. voilà, l'idée, le cloud, c'est une très grande trouvaille technologique, c'est un truc de malade, c'est digne de la DSL, c'est digne de la Wi-Fi, C'est digne de la fibre. c'est digne de la fibre, digne de l'invention du téléphone portable. Enfin, voilà, on est sur quelque chose, une invention technologique de malade. Parce qu'on peut faire d'un coup des calculs et héberger des trucs monstrueux sur des serveurs dans le monde. Enfin voilà, et puis hop, tout se fait dans le monde et nous, notre machine, elle récupère que les résultats du calcul, basta. Bon, c'est extraordinaire. Le problème, c'est la mise en place. C'est-à-dire que ça demande une infrastructure énorme. Voilà, ça demande que tout le monde ait le cloud gaming, donc une connexion internet extraordinaire. Et tout simplement, aujourd'hui, c'est pas possible. En France En notamment. France, oui, on parle bien entendu pour la France, c'est pas possible. Je prends l'exemple, justement, on parlait de NBA 2K14. J'ai joué aujourd'hui, j'ai quasiment passé la journée à jouer à NBA 2K14, qui marche même sur Current Gen, qui marche sur ce principe-là de cloud. En fait, le jeu est tout le temps synchronisé ou je sais pas quoi. Si t'as pas de connexion internet, ça fout le bordel dans le jeu. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Et tout simplement, pourquoi ça marche pas? Bah, j'ai essayé de jouer en ligne avec des gens, et dès que les Américains se connectent au jeu, blackout total, c'est la mort, il y a un lag, mais de porc, un truc de malade. Et je me dis, putain, voilà, ça ne demande pas énorme. Je suis pas en train de demander un truc de malade, du genre jouer pendant que je télécharge, parce que ça, jouer au jeu pendant que tu es en train de le télécharger, c'est un truc de ouf. Et rien que demander un petit truc, ça rame, ça rame, ça rame. Donc le cloud gaming, oui, mais dans le futur, enfin, il faut que Orange en France développe les infrastructures. Orange, pas seulement, parce que c'est vrai que bon, Non, mais bon, t'as Orange et tout ça, mais c'est quand même le gros Orange. oui, bien En sûr. fait, il faut. Bon, là, on entend les opérateurs mobiles en parler. Ils en Avec font la la pub 4G et tout tous ça, mais. avec la 4G et tout le bordel. La 4G, le cloud et tout ça, c'est le mot un peu à la mode, le cloud. Mais aujourd'hui, enfin voilà, c'est pas une réalité. C'est un Ouais. petit peu comme à une époque où on entendait parler des 12 gigas, machin, de débit internet. Quand on en entendait parler à la télévision, c'était prévu dans le futur pour Paris. Donc, si vous n'habitez pas à Paris, voilà, le cloud, vous pouvez attendre deux bonnes années, Enfin, enfin, je veux c'est dire. vrai que bon, ça, le cloud, c'est une technologie quand même assez particulière parce qu'il n'y a pas que la connexion qui joue, il y a bien sûr les serveurs qui sont derrière. Si tu as des serveurs pourris, tu auras beau avoir la meilleure connexion du monde, tes serveurs ils flancheront. Donc, non, il y a aussi un truc, tu peux très bien faire marcher cloud parfaitement avec une connexion assez basique. Alors, quand je dis basique, c'est pas une connexion de 1 méga, hein, c'est vraiment la DSL 2+, voilà, le truc 20 méga, tout ça. C'est vraiment le minimum, je dirais, pour avoir un truc parfait, surtout quand tu vois les jeux qui sortiront sur Next Gen. Si tu fais du cloud gaming avec des jeux Next Gen, ça fait 40 gigas, 60 gigas par jeu, donc en termes de stockage, c'est quand même, t'as un contenu, t'as des graphismes, t'as un truc de malade, donc le serveur, lui, il va falloir qu'il calcule tout ça, et tu vas pas être le seul à vouloir jouer au jeu tranquillement. Donc c'est vrai qu'on, par exemple, le Gaikai, alors je sais plus, il y en avait un mais qui a fermé, je crois, il y a pas longtemps, qui utilise le cloud gaming. Alors tu peux tester hein, sur des jeux PC, etc. Bon déjà, le problème du cloud gaming, c'est que souvent t'as les jeux en anglais parce que les serveurs sont basés aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Donc ça a Et bougé. oui, voilà, ça va bouger au fur et à mesure. Mais le cloud gaming, c'est un petit peu
Voilà, faut encore le développer, faut avoir une assez bonne connexion. Si évidemment t'as plein de monde sur ta connexion en même temps, bah là c'est mort, tu peux pas jouer, ça lag ou alors ça coupe, ça. Enfin voilà, t'as plein de problèmes. Mais c'est vrai que si c'est vraiment bien développé, si on arrive dans le monde à avoir une connexion pas fibre totalement, mais peut-être améliorer certains débits, certains éléments de réseau, on peut arriver à un truc de dingue qui fonctionne. Et il y a aussi le cloud computing, qui est lui aussi un truc de malade, voire encore plus un truc Ouais. de malade, puisque faut savoir que Microsoft, les 300 000 serveurs qu'ils ont installés, c'était pas seulement pour dire on va mettre 32 personnes sur le groupe d'amis et on va mettre un meilleur Xbox Live. Non, non, les mecs à la base, ils ont commandé 300 000 serveurs, pas pour rien, c'est pour le cloud. Malheureusement, l'idée du cloud sur Xbox One a été abandonnée, en tout cas Partiellement abandonné. partiellement abandonnée. Puisque il y a 7 semaines ou il y a 2 semaines, je sais plus où est-ce que j'ai eu ça, mais il y a un mec de chez Microsoft qui a clairement dit que le cloud computing serait encore pour eux en développement, et donc il pourrait très bien rendre la Xbox One ultra puissante par rapport à ses concurrentes et même par rapport au PC. Franchement, le cloud computing et le cloud gaming, c'est l'avenir. Alors après, j'espère que ce sera pas que ça. J'espère que le support physique sera toujours là. Alors ça, je peux toujours espérer. Malheureusement, à mon avis, ça va vite disparaître. Mais voilà, le cloud gaming, c'est une super idée. Le cloud computing aussi. Faut encore que ça se développe. Et on espère que ça va se développer très vite, quoi. Avez-vous des retours sur la chauffe et le bruit de la PS4? Oui, il y a eu des. Alors, c'est pas tous. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, ouais, non, elle est super silencieuse, elle chauffe pas. Et par contre, on a, ils disent, c'est un avion, ça fait énormément de bruit, ça chauffe comme un truc de dingue. Alors, c'est vraiment les problèmes de Day One. Hein, voilà, il y en a déjà sur mon Facebook qui disent, ah bah, c'est le problème du Day One. Hein, elle est bonne pour le SAV, elle est morte. Parce que sur la PS4, faut savoir que il y a une espèce de lumière bleue au milieu qui permet de savoir si elle reste allumée, si elle est morte ou pas. Et il y en a qui ont déjà eu ce problème-là. Ça s'appelle, je sais plus, la Blue Line DS ou un truc comme ça. Enfin voilà. Comme à l'époque, les lumières rouges sur Xbox 360. Là, c'est pareil. C'est-à-dire, bien, tu peux la foutre au SAV. Donc ça, c'est le problème des Day One. Voilà, c'est des trucs, c'est comme ça. Toi, tu l'as, donc tu peux peut-être en parler aussi. Alors moi elle chauffe pas plus qu'autre chose, pas plus que la PS3 Slim que j'ai, pas plus que... Pff, franchement elle chauffe pas tant que ça quoi. Et au niveau du bruit, il m'arrive parfois d'entendre le CD qui tourne, mais à part ça elle est très silencieuse. Après, je crois que ça dépend aussi de la façon dont c'est utilisé. T'as des gens qui vont mettre leur console dans des étagères, mais vachement fermées et tout ça. Ah bah là elle Ça risque de va. chauffer, oui. Voilà, non mais, il y a des gens qui. Moi, je connaissais quelqu'un qui mettait sa console dans un tiroir en fait. Et le meuble a pris feu parce que la Étonnant. console a chauffé. Et enfin voilà, tu dis bon, c'est. Donc, franchement, je pense que c'est des machines technologiquement parlant très très puissantes. Enfin voilà, aujourd'hui, ils font attention à ces détails-là de chauffe et de bruit. Donc, c'est relativement. C'est correct, quoi. Et il y a sûrement certaines consoles qui doivent être pires que d'autres, Oui, non mais voilà, après, parce bien que. sûr. Alors, il y a un article qui décrit que les Chinois auraient trafiqué la PS4 exprès. Alors, bon, ça, c'est info ou intox, on sait pas. Mais voilà, c'est le problème du Day One. Toutes les consoles ne sont pas parfaites. Et de toute façon, même après, il y aura toujours des consoles qui seront défaillantes. C'est tellement fait à la chaîne maintenant que, voilà, on peut pas tout contrôler, quoi. Alors, FX, si t'aimes la barbe, je te donne rendez-vous à 23h30. T'auras du barbu, ça te plaira, tu verras. Alors, l'avenir de World of Warcraft, qu'en pensez-vous? Bah, l'avenir de World of Warcraft, il s'écrit en pointillé quand même aujourd'hui. Oui. World of Warcraft, on n'est pas loin d'en parler au passé. Il y a de moins en moins de joueurs. Alors là, il y a une nouvelle extension qui est sortie ou qui va sortir, je sais plus. Je sais Hein. pas, je sais pas. Il y a une nouvelle extension là. Alors voilà, bon, on n'est pas hyper au courant, mais je sais qu'il y a une nouvelle extension qui est dans le coin. Donc c'est que Activision et Blizzard bossent encore dessus, tout simplement parce que le remplaçant de World of Warcraft, qui est Projet Titan, je crois que ça s'appelle comme ça, ou peut-être juste Titan, prend énormément de retard puisqu'il a été recommencé à zéro. Enfin, c'est un bordel monstrueux. Il a pris 2 ans de retard, donc là je crois que c'est 2016 ou 2017, alors qu'il était prévu pour fin 2014, début 2015. Donc voilà, du coup Blizzard bricole un petit peu. Si t'es sur WoW, je sais qu'il y a des choses qui vont sortir. S'il n'y en a pas un, s'il n'y a pas une extension qui est sortie déjà récemment,
Mais voilà, il y a quelque chose qui va sortir bientôt. Il y a encore des extensions. Moi, j'ai entendu parler qu'il y avait encore des extensions qui allaient arriver. Donc voilà, Blizzard bosse encore dessus. Mais soyons honnêtes, World of Warcraft, c'est plus du passé aujourd'hui oui, que d'avenir. Et je pense que même eux, ils sont passés presque à autre chose en fait. Oui, oui. Ils essayent de faire, de renouveler un peu le MMO. Ils essayent avec Diablo 3, ils ont réussi à renouveler un peu le hack and slash. Blizzard sont des bosseurs quand même. Faut pas nier ça. Et on peut s'attendre à ce qu'ils renouvellent un peu la gamme des MMO. Mais c'est vrai que WoW, pour l'instant, bah, WoW, en plus, ça a du il a mal. Combien? Il a peut-être 7-8 ans facilement. Oh, même, oui, largement, hein. Largement. Bon, c'est honorable. Hein. Pensez-vous que la PS4 et la Xbox One seront plus facilement piratables au vu de leur architecture PC? Je m'en fous, je pirate pas. Ouais, aucune idée, on est contre le piratage d'abord. Et puis. Non, aucune idée. Enfin, oui, c'est une architecture PC, mais je veux oui, dire, mais... tu vas avoir voilà. quand même des protections, de la sécurité. Non, c'est quand même quelque chose de différent. C'est, ouais, puis, c'est des objets différents. De toute façon, tu peux très bien avoir une architecture PC. Je veux dire, c'est le système d'exploitation qui va faire fonctionner. Je pense que là. Que ce soit architecture PC, console, n'importe quoi, c'est l'OS, et l'OS, je pense qu'ils l'ont pas fait comme ça, ah bah tiens, bah, on va pas mettre de sécurité. De toute façon, ils savent très bien qu'il y en aura qui réussiront à le passer, comme d'habitude. Ils peuvent très bien mettre toutes les sécurités, tu vas voir que dans un mois, tu auras déjà un tuto sur YouTube qui dira comment hacker les jeux. Voilà, c'est comme ça. Mais comme moi j'ai dit la dernière fois, rien n'est impiratable. Donc ils peuvent rien faire. Limite aujourd'hui ils ont peut-être mis aucune sécurité, j'ai envie de dire, pour dire pff, on s'en fout quoi. Ils savent très bien qu'il y en aura et puis c'est tout quoi. Je suis en train de penser, là, rien à voir avec vos questions. Vous aviez posé des questions sur la manette de PS4 compatibilité PC. Oui. Et pour le coup, j'ai pu tester. Voilà. Et alors, le PC reconnaît directement la manette, il fait tout seul l'installation des drivers, donc là-dessus c'est nickel. Elle fonctionne pour les systèmes du type émulateur et tout ça, si vous pouvez mettre n'importe quelle manette. Par contre, sur les jeux comme FIFA, comme Borderlands, comme voilà, elle ne fonctionne pas, elle n'est pas reconnue. Voilà, Moi je pense que comme j'avais dit, ça c'est comme la manette de Xbox One, les anciens jeux ne seront pas compatibles, c'est sûrement les prochains, et le problème c'est qu'avec Sony c'est que c'est quand même Xbox One, c'est Microsoft, et la manette de Microsoft à mon avis va passer en priorité, comme ça a été le cas quand ils ont passé à exclusivement la manette Xbox 360. Dans énormément de jeux, maintenant tu peux qu'utiliser la manette Xbox 360 et les autres manettes Logitech, etc. Faut un système, faut que les drivers machin, enfin voilà, c'est assez compliqué. On verra bien, mais en tout cas, c'est vrai que la compatibilité avec la manette PS4 risque d'être compliquée, même si c'est possible. Quoi. Enfin bon, c'est bon à savoir, en tout cas, oui, c'est oui, possible. Oui. Je tenais à le dire parce que voilà, comme j'ai l'information. Ouais. The Elder Scrolls Online, vous en pensez quoi de l'idée? Ah bah l'idée est bonne, c'est un MMO. L'idée pourquoi pas, parce qu'en effet, le monde de Elder Scrolls c'est un RPG, donc associer le RPG au MMO, il y en ça a qui MMO ont... RPG. Oui voilà, il y en a qui y ont pensé avant et il se trouve que c'est pas trop une voilà. mauvaise idée. On parlait de World of Warcraft à l'instant, donc sur le plan de l'idée théorique, oui, bien sûr, parce que je te dis, voilà, on va avoir un vrai RPG. Après, le truc, c'est qu'il faut, dans MMORPG, il y a MMO, il y a RPG. Du côté RPG, ok, on est sûr, les Elder Scrolls, t'as une dimension roleplay, enfin voilà, t'as une dimension, enfin c'est presque la définition d'un RPG, quoi, presque à la, un RPG occidental, en tout cas, ça va très très loin dans les compétences, dans tout ce que tu peux porter, dans la façon dont tu crées ton personnage, ça va très très loin. Donc, de ce point de vue-là, ok. De l'autre point de vue, c'est-à-dire du point de vue MMO, là, c'est un peu plus discutable tout de même, parce que un MMO, ça a ses codes, ça a sa façon de jouer, t'as ses différents métiers, t'as tes différentes compétences, chacun va contre l'autre, il faut un tank, il faut un healer, il faut ce genre de conneries là, voilà, tu vas te mettre ensemble, en groupe, et c'est en groupe que tu vas passer les donjons. Là quand même, ce Elder Scrolls Online, il part pas du tout sur cette idée là. C'est plus un RPG
en multijoueur, ouais. j'ai envie de dire. La dimension MMO, elle est pas vraiment là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus je m'en vais avec mon épée sur le dos ou mon bâton de mage ou ce que tu veux sur le dos. Et puis, allez, je vais défoncer du dragon. Si j'ai la chance d'avoir un camarade à mes côtés, super. Si j'ai pas de camarade à mes côtés, tant pis, rien à foutre, on va défoncer le dragon. Enfin, je te dis un dragon, j'en sais rien. Tu vas défoncer tout ce que t'as envie de défoncer dans l'univers des Elder Scrolls. Mais voilà, la dimension MMO, elle est pas là. Enfin, elle est pas poussée et c'est vraiment dommage quoi. C'est plus un RPG qu'on a, enfin voilà, où on dit tiens, vas-y, il y a plein de monde. C'est un petit peu ce que tout le monde avait dans l'esprit où tu dis ouah, Skyrim, ça serait classe. Bah, s'il y a d'autres gars qui étaient voilà, avec mais toi. Tu remplaces les PNJ par des vrais mecs. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Après, c'est ce qu'on en avait vu à la PA Game Week notamment où c'est vrai que bah, quand tu regardais les écrans ou même quand notre rédacteur cinéma avait joué. Les gens bah ils partaient chacun de leur côté sans se enfin voilà sans se parler sans quoi que ce soit. Donc voilà, même si voilà, c'est vrai que si t'as des amis tout ça, tu peux toujours jouer en équipe et ça pose pas de problème, mais si tu veux y aller tout seul, péter du gobelin ou quoi que ce soit, tu peux le faire. Ce qui est la grande force de ce Elder Scroll, c'est que les graphismes de Skyrim sur PC sont les mêmes pour ce Elder Scroll Online. Donc c'est quand même assez joli pour un MMO, pour un jeu online. Donc après, à voir comment ça fonctionne. J'ai vu sur le chat qu'il y en a qui se plaignaient de l'abonnement. Ça, c'est vraiment le gros point noir de ce jeu. Pour l'instant, bah, c'est double peine pour les gens sur Xbox, quoi. Oui, aussi. Ça, c'est, oui, c'est vrai, il sort sur console. C'est vrai que ça c'est double plus, peine. Une alors sur pour PC. Oui, mais après ça, on n'en est pas sûr. C'est vrai que Bethesda est en train de discuter avec Microsoft pour éviter l'abonnement. Le double abonnement, ouais. Enfin bref, c'est un peu compliqué un petit peu les discussions. D'ailleurs, sur PS4 aussi. Ah, ce sera sur PS4. Oui, c'est bah oui, c'est sur console. Enfin, je crois que c'est sur PS4, il me semble. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, la grande force, c'est que les graphismes restent les mêmes. Voilà, c'est joli, c'est jouable, c'est du MMO, c'est du The Elder Scrolls. Si vous aimez l'univers, il n'y a pas de souci. En plus, c'est immense. Donc voilà, ça peut être un bon jeu, ça peut être un bon MMO. Alors, la question est large. Hein. Quels sont vos coups de cœur? Ouais, large, très large. On va se résumer à l'année 2013, hein, l'année écoulée, hein, déjà, ça va être déjà pas mal. Ouais. Et en fait, c'est parce que j'en ai un dans la tête là qui me vient tout de suite, c'est Metro Last Light, un jeu dont on a très peu entendu parler. C'est vrai que on a eu une année très dense, et finalement, ce Metro Last Light, il est passé un petit peu au milieu. C'est un excellent jeu, et au milieu de tous les excellents jeux, ben, on l'a un peu oublié. Mais un vrai coup de cœur, parce que ça montre que les FPS en solo, ça existe, c'est possible, encore en 2013, et comme Bioshock Infinite, hein, mais bon, Bioshock Infinite, c'est vraiment dans son style à lui. Là, sur ce Metro Last Light, on est très proche de ce qu'étaient les campagnes des Call of Duty ou des Medal of Honor. Je parle des jeux PS2 de cette époque-là. Là, voilà, on est vraiment sur un jeu qui dit, moi, j'ai une campagne, je fais ça que pour la campagne, que pour l'histoire. On a une histoire de malade, on a une ambiance super glauque, on a des graphismes super sympas, on a des idées de gameplay vraiment intéressantes, intelligentes, et c'est un jeu auquel j'ai pris énormément de plaisir, que très peu de monde en parle, et moi, je pense que c'est Call of Duty Ghost. Ouais, cette année, je peux pas dire autre chose que c'est le jeu de l'année. Moi, je pense que si au VGA, il est pas nommé jeu de l'année, je boycotte l'événement parce que je suis désolé, c'est pas possible. Parce que tu l'as eu gratuit, c'est pour ça. Non, mais honnêtement, moi je dirais, moi j'ai vraiment un jeu indépendant que j'ai surkiffé, que j'ai fini hier, Full Adventures. Franchement, un FPS aussi. Que je conseille à tout le monde, c'est un jeu indépendant. Enfin, si on peut le considérer comme un jeu indépendant, moi je le considère parce que il a pas eu beaucoup de budget. C'est fait par Nordic Games, donc voilà, on peut s'imaginer. Honnêtement, c'est un putain de bon jeu indépendant sorti début novembre. Je le conseille. On voit clairement que les mecs ils ont travaillé. C'est un peu un Indiana Jones, mais en FPS. Mais vraiment, c'est très classe. L'histoire est bien faite, même si bon, parfois ça manque un peu de narration, mais. Comme un peu tous les films Indiana Jones, Benjamin Gates, etc., les films du genre. Graphiquement, c'est hyper joli. Franchement, pour un jeu indépendant, c'est l'Unreal qui est super bien utilisé. Le gameplay, il est vraiment très bon. Enfin, avec des énigmes, etc. Enfin, vraiment, un jeu indépendant qui ne doit pas coûter cher, je ne sais plus exactement, 20 ou 25 € au maximum, que je conseille vraiment de faire parce que
c'est juste génial. Après, coup de cœur de cette année, c'est vrai que j'en ai moi, fait tellement de jeux. Là, j'ai Diablo 3 Diablo aussi. Diablo 3, bien sûr. Diablo 3, mais bon, Diablo 3, on en a un peu plus entendu parler quand oui, même. C'est, oui, voilà. Après, il y a tout ce qui est Tomb Raider, BioShock, The Last of Us, même si on l'a pas fait, on sait très bien que c'est un super jeu. Il y a dernièrement GTA 5. Franchement, je sais plus les noms. Batman, Arkham. Oui, Batman Arkham Origins. Enfin, il y a vraiment. Splinter Cell, Rayman Legends. Oui, Rayman Legends, oui, ça c'est clair. Sûrement le meilleur jeu. Oui, Rayman Legends qu'on vous conseille absolument d'aller acheter parce que c'est un jeu qui s'est très mal vendu jusque-là et il le mérite pas du tout. C'est un jeu extraordinaire aussi, pareil qu'on met pas dans la lumière alors que ça s'appelle Rayman et que c'est vraiment l'un des meilleurs jeux de plateforme du monde. Ouais. Enfin, c'est voilà. Extraordinaire. Il y a pas mal de jeux, il y a pas eu pas mal de jeux cette année. Après, il y en a sûrement d'autres que vous pouvez nous dire. D'ailleurs, dites-nous. Il y a Beyond, tiens aussi qu'on a là, tu vois. Oui, Beyond. Oui, mais dites-nous aussi vos coups de cœur, hein, parce que c'est vrai que vous avez peut-être des coups de cœur. Vous avez sûrement même des coups de cœur différents que nous, et parce que nous, c'est vrai qu'on en oublie. Des jeux excellents. Il y a notamment pas mal de jeux indépendants qu'on fait pas, enfin qu'on voit pas, qui nous passent dessus. Oui, voilà. Et ouais, qui, parfois. Ouais, ils sont. Ouais, voilà. Bah, Stone Earth. Oui, par exemple. Le développement des free-to-play et pay-to-win, qu'en pensez-vous ? Alors ça, c'est un. J'en reviendrai sur un propos du patron d'Electronic Arts qui avait dit que lui, il était absolument à 200% pour le free-to-play. Donc pour que le patron d'Electronic Arts soit pour quelque chose, c'est que ce quelque chose rapporte énormément d'argent. Soyons clairs et nets. En fait, un free-to-play, les économistes tout ça ont fait des études et on a remarqué que ça rapportait beaucoup plus qu'un jeu qui sortait en boîte à 70€. Parce que il y a des gens, une majorité de gens. Qui va, pas forcément une majorité, mais il y a beaucoup de gens qui vont rien payer du tout. T'en as quelques-uns qui vont dire, allez, je mets 1 ou 2€, et t'en as qui vont bazarder le truc comme des malades et qui, tous les jours, ils vont sortir la carte bleue pour avoir le truc pour pay to win, pour gagner, ou même si c'est pas un pay to win, pour avoir les derniers trucs. Voilà, il y a des gens qui vont vraiment investir de l'argent dessus parce qu'ils croient dans le jeu en question. Le free to play en tant que tel, c'est une bonne idée. Moi, en fait, j'aime bien le concept, c'est dire, tu as le droit d'essayer le jeu gratuitement. Et je trouve que c'est quelque chose qui devrait être accessible à tout le monde. C'est-à-dire, soit sous forme de démo, soit sous forme de bêta, soit sous forme de free-to-play, de dire, au lieu avant d'investir 70€ dans un truc quand même, 70€ investir, c'est lourd, essaye-le, vois ce que toi t'en penses, parce que même si tu lis des critiques à droite à gauche dans les magazines ou sur Internet ou à la télé, toi, t'as pas forcément la même sensibilité que les gens. Donc, je trouve que l'idée du free-to-play est pas mal. Après, c'est vrai qu'on va vers une démocratisation du free-to-play, un peu en pay-to-win, même si le pay-to-win commence à prendre du plomb dans l'aile parce que les joueurs ont un peu ras le cul. Mais du free-to-play en mode, le jeu de combat sur Xbox One. Killer Instinct. Killer Instinct, voilà. Typiquement, le free-to-play qu'on veut pas voir et qui malheureusement va arriver de plus en plus souvent, c'est-à-dire, vas-y, regarde, essaye le jeu gratuitement. En fait, tu peux absolument rien essayer et ensuite, tu veux continuer, vas-y, mets 5€ dans la machine, mets 5€ dans la machine. Et en fait, c'est pas chacun qui choisit de faire ce qu'il veut, ce qui est le principe du free-to-play au départ, puisque free-to-play, c'est gratuit pour jouer. Donc, c'est la traduction exacte. C'est pas chacun choisit de mettre ce qu'il veut, non, on t'oblige à mettre pour continuer à jouer, pas forcément pour gagner, c'est pas du pay to win, c'est du pay to continue un petit peu. Et là, je trouve ça un petit peu dommage. Après, bon, pourquoi pas, ça pourrait revenir, ça nous ferait revenir un petit peu à l'époque des bords d'arcade, où il fallait que tu remettes une pièce de 10 francs dans la machine pour avoir le droit de refaire un nouveau run. Mais j'ai pas envie de revivre cette époque. Après, moi, ce que j'aime bien dans le free to play, c'est vraiment, il faut pas que ça change, c'est. Tu payes pas ton jeu, voilà. Mais tu peux toujours évoluer comme un mec qui aurait payé, mais plus lentement. C'est-à-dire que t'es pas inégal au mec qui paye, parce que imaginons le mec qui paye, il peut prendre un bazooka, alors que toi, tu peux jamais l'avoir, même en évoluant à fond et en jouant 100 heures par jour. Ça c'est vraiment le free to play que j'aime bien, c'est que même si tu payes pas, tu peux toujours avoir l'arme que le mec qui veut payer peut avoir. Enfin voilà.
Après, c'est vrai que les pay to win, c'est horrible parce que c'est par exemple World of Tanks, je crois qu'il avait ça pendant un moment en disant en pleine partie, bah tiens, tu peux payer pour avoir un meilleur tank ou je sais plus trop Réseau quoi. Enfin, boosté. ouais, mais enfin, vraiment, le pay to win, c'est pas un truc pour communauté, c'est vraiment le truc pour dire, bah tous les mauvais joueurs, on va dire, vont payer obligatoirement pour essayer de gagner. C'est un truc pour ramasser un max de pognon. Le free to play, ouais, c'est une bonne idée de base. Il faut pas que ça change vraiment dans le pay to win. Alors, Shelbin, qui nous dit: je viens de remporter un concours pour un mois de live gold, sachant que j'ai déjà activé un an de gold. Si j'active mon un mois, alors qu'il nous parlait de un an, ah non, c'est un mois, pardon, un mois de gold, l'abonnement de un mois sera-t-il rajouté à l'abonnement de un an? Oui. Je Enfin, en sais tout cas, pas. sur Xbox 360, ça marchait comme ça. Ouais. Mais sinon, au pire, attends, parce que ton, comment, les trucs que tu gagnes, ils sont Oui, souvent sûrement, valables oui, très sur le longtemps. long terme. Donc, Et Byron qui nous confirme que c'est cumulable aussi. Ouais. Il y a une différence entre free to play et pay to win. Ah oui, d'accord. Je croyais que PWW c'était un jeu. J'ai compris après. Je n'ai jamais vu à quoi ressemblait Killer Instinct. Non, c'est Instinct. C'est Instinct. grave. Ah non, c'est pas grave. Moi, je connaissais absolument pas la série. Hein. Quand ils l'ont présenté à l'E3, je me souviens de la salle qui avait fait: waouh, c'est extraordinaire, le retour de Kieran Singh. Moi, j'ai regardé en me disant: c'est quoi ce truc? Non, très clairement, c'est pas grave. Et puis, quand on voit ce qu'ils en ont fait, en fait, c'est encore moins grave. Non. C'est ça, parce qu'en fait, bon, c'était le retour tant attendu d'une série phare, je sais pas quoi, machin. Au bout du compte, on se retrouve avec un jeu de combat assez moyen. Voilà, ça clairement pas rentré dans les annales. Et en plus, un jeu de combat où, bah, on l'a dit, il faut que tu payes pour, non pas pour gagner, mais pour avancer dans l'histoire, enfin pour avancer dans ton jeu. Sinon, tu te retrouves avec le Mexicain de départ, quoi, avec un vieux personnage à la con. Et honnêtement, un jeu de combat où t'as qu'un seul personnage, bah, il dure pas plus de 5 minutes, quoi. Tu fais trois combats avec, et puis après, tu te dis: bon, c'est pour ça, mais je me fais chier. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave si t'as pas vu, et va pas forcément voir. Non, tu pourrais perdre ton temps. Réalité virtuelle, est-ce que c'est le futur du jeu vidéo? Non, attends. Ah, pardon. Est-ce que la réalité virtuelle est plus forte que le futur du jeu vidéo? Pardon. Oula! Autant la première question j'avais compris, tu vois, autant là, est-ce que c'est plus fort que le futur? Je sais, enfin, je sais pas. Attends, la réalité virtuelle, c'est bien le truc où c'est en 4D et puis vas-y que non. C'est la réalité virtuelle, c'est quelque Ou chose alors qui existe. Hein. l'Oculus peut-être. Non, c'est pas vraiment l'Oculus Rift. Hein. Un petit peu. La réalité virtuelle, c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui. Comment? C'est notamment utilisé par les industries automobiles. Je parle de ça parce que je connais des gens qui bossent là-dedans. Enfin voilà, j'ai entendu parler de choses comme ça, de gens qui développaient tous ces logiciels-là. Donc, par exemple, pour les gens qui voient pas ce que c'est la réalité virtuelle, dans l'industrie automobile, ils s'en servent, ils se mettent dans des grandes salles avec des écrans un petit peu partout autour de toi, et en fait, c'est comme si tu étais dans la voiture. Et comme ça leur permet, par exemple, ils ont ça chez Peugeot Citroën, ça leur permet de modéliser les intérieurs de voitures et de les faire bouger. Enfin voilà, comme si toi t'étais au volant de ta voiture et si tu fais des choses ou quoi, ça réagit par-dessus. Donc c'est un peu ça la réalité virtuelle, c'est un petit peu le principe de l'Oculus Rift, c'est-à-dire voilà, on transforme ce que t'as autour de toi en quelque chose de virtuel, mais c'est du virtuel réaliste, quoi. C'est un but comme ça. Donc la réalité virtuelle, ça voudrait dire que tu es immergé dans ton jeu, un jeu de guerre, voilà, il réagira en fonction de ce que tu fais et tout ça. Un petit peu le principe de l'Oculus Rift. Est-ce que c'est le futur du jeu vidéo? Est-ce que c'est plus fort que le jeu vidéo dans le futur ou que le futur du jeu Sa vidéo? question, c'était bien le futur du jeu vidéo, sauf que voilà. Ouais, ben le. Je dirais qu'on ne sait pas en fait. Il faut voir comment cette technologie se développe. Comment est-ce parce que là, je t'ai dit, aujourd'hui, c'est un truc qui est dans le monde industriel, qui est à la NASA, c'est un truc de scientifique, c'est un truc de malade. Et quand je te dis, il y a Peugeot Citroën qui l'utilise. Je crois bien que c'est le seul, peut-être en Europe. Enfin voilà, c'est une des rares marques, de très rares marques, qui a utilisé ce système. Cadre de l'industrie, tout ça, dans le cadre de la création. T'as fait Bernardo à partir de ce système.
Ouais, donc je disais, c'est une des très rares marques à utiliser ce système parce que, enfin voilà, c'est quelque chose qui coûte très très cher à développer, à utiliser. Bon, ça leur réussit ou pas, ça j'en sais rien, hein, peu importe. Mais voilà, c'est quelque chose qui est déjà très marginal aujourd'hui. Donc il faut que ça devienne quelque chose de normal. Alors là, on voit les Google Glass, c'est un petit peu la même idée, les Google Glass, même si les Google Glass c'est de la réalité augmentée. Mais on s'en approche. Voilà, on n'est pas très loin. Les fils s'entrelacent arrivés à un moment. Il faut d'abord, je te dis, que la réalité virtuelle devienne quelque chose de commun, puis qu'on pense à le mettre dans le jeu vidéo. Et mettre ça dans le jeu vidéo, ça serait énorme, mais ça serait un bouleversement cataclysmique dans le monde du jeu vidéo, parce que ça changerait complètement notre vision du jeu. Et alors, le futur du jeu vidéo, peut-être. Mais je dirais que ça peut prendre tellement de chemin le futur du jeu vidéo que oui, il y a bien un chemin qui mène à la réalité virtuelle, et il y a des dizaines d'autres chemins qui mènent ailleurs. Moi, je pense qu'il faut attendre l'Oculus Rift déjà, parce que déjà on va Oui. commencer par cette technologie-là avant de mettre la réalité virtuelle. Parce que, déjà que l'Oculus Rift met énormément de temps à se développer, on imagine pour la réalité virtuelle, pour les jeux vidéo, ça va mettre. Le premier décompte de Fallout 4 est fini, il y a un message codé. Vous pouvez essayer de le décoder? Alors oui, c'est un message qui parle de deux dates. Je sais plus c'est quand exactement, je crois que c'est le 10 décembre, il y en a une. Il y en a une, je crois que c'est le 10 décembre, et une deuxième le 2 décembre. Un truc comme ça, enfin il y a deux dates, ça j'en suis sûr. Après je sais plus, il y a la traduction exacte sur le forum du site, mais je sais plus exactement c'était quoi. J'aurais eu du temps, j'aurais bien été le décoder, mais là je manque cruellement de temps. Donc, mais maintenant, si l'année prochaine j'ai Non rien à mais, de faire, hein, toute qu'est-ce que façon, je je. pense que seulement les fans de Fallout comprennent. Ouais, puis non, mais il y a peut-être des forums, hein, parce qu'on sait qu'il y a des grands malades dans ce genre de truc, et il y a sûrement des forums qui décryptent ça. Il y a des mecs dans les fans de Fallout, d'Elder Scrolls, tout ça, ils voient un point noir sur un fond d'écran, ils savent ce que ça signifie. Ah oui, non, mais tu sais, il y a ça un peu partout. Il y a notamment là dans GTA V, il y en a qui ont décortiqué la bande son du dernier La dernière DLC, mise à enfin de jour, la hein. dernière mise à jour là qui nous a offert pas mal de contenu. Et ils ont découvert que dans la bande son, à un moment, il y a des gens qui parlaient de la création d'un casino à Los Los Santos. Santos. Donc du coup, ils disent c'est peut-être l'arrivée d'un casino dans le prochain DLC. Enfin, donc, voilà, il y a un moment, on a passé un stade là. Voilà, c'est perché Ah, il y là-haut. a fan et fan, quoi, C'est ça. c'est. Alors, question compliquée. Si un train part de Dijon et va jusqu'à Lille, sachant qu'il roule à 100 km/h, à quelle heure arrivera-t-il à Lille, sachant qu'il y a une grève de la SNCF? Il part de Dijon, il va jusqu'à Lille, ça veut dire qu'il passe par Paris. Ensuite, il faut faire un changement. Bah, il n'arrivera jamais à Lille en Bah fait. oui, il y a Il la va faire grève. Dijon-Paris. Non, mais il y a la grève Et de la SNCF, il n'arrivera jamais à Lille de toute manière. en plus, avec la grève de la SNCF, il Il arrivera en arrivera retard. peut-être en retard, parce que bon, t'as des fois les grèves SNCF, Ouais, c'est un peu ce voilà, risque. quoi, c'est des grèves françaises, quoi, c'est. Que pensez-vous de l'idée de génie de mettre des microtransactions dans un jeu AAA comme le dernier Forza? Oui, en Ah, bah effet, ça. idée géniale qu'on doit sûrement à quelqu'un de chez Activision ou de chez Electronic Arts, hein, parce que Ouais. c'est pas Pas Forza qui l'a Jordan's. inventé. Ça existait déjà Je. notamment dans Saints Row 4, par exemple, dans Saints Row 3, je crois aussi. Je sais plus. Enfin, bon, c'est quelque chose Enfin, qui. c'est une idée d'un mec qui veut du fric, quoi. Ouais, voilà, c'est une idée de pognon. Bon, moi je dis, ça me dérange pas quand c'est cosmétique. Il y avait ça par exemple dans Gears of War 3 ou Judgment, je sais plus lequel des deux, mais où on disait, tiens, pour 80 centimes, tu peux acheter un Lanzor rose, bonbon. Ok, voilà, si t'as envie, 80 centimes, ça te coûte rien. Ouais, quand même. Non mais tout le monde, non mais on s'en fout. Ça, je veux dire, on s'en fout. Ouais, mais Le bon, problème dans un Forza. moi je pense que pour un truc de texture, des choses comme ça, je pense que avant, c'est ce qu'on faisait en tout cas, c'est qu'on devait le gagner d'une façon, Oui, mais je comprends. tuer un mec en pleine tête, boum, hop, t'avais ton truc rose. Non, mais je comprends. Voilà, faut rentabiliser les jeux aujourd'hui et tout ça. Je veux dire, ça, quand c'est pas trop cher, et ça reste de la texture, ça reste du cosmétique, on s'en fout. Maintenant, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, le pay to win, où là, dans un Forza, c'est carrément des bagnoles. Alors, je sais pas si c'est pay to Oui. win, parce que est-ce qu'on gagne ou pas. Forza Gran Turismo aussi. Forza Gran Turismo, mais c'était déjà dans Forza Horizon.
Par exemple, Je sais. oui, il y avait moyen de, je sais qu'il y avait moyen de récupérer des bagnoles, enfin tout un système un peu bizarre. Ce qui était bien, c'est qu'au moins dans Forza Horizon, les voitures les plus puissantes du jeu, elles étaient déjà disponibles dans le jeu. Là, je sais pas du tout comment ça se passe pour ce Forza 5, mais il y a, je sais que tout le monde se plaint du manque de voitures, et c'est là que ça devient pervers, parce que les mecs, ils ont enlevé des voitures, et ils ont dit. Les voitures, tu vas les acheter. Et attention, tu t'achètes pas la voiture 80 centimes. Et là, c'est pas simplement du cosmétique. Là, on est en train de parler du cœur du jeu. Enfin, je veux dire, c'est comme si t'arrives dans un Tomb Raider, on te dit, ah bah, tu veux l'arc? Ah bah, vas-y, tu te démerdes, tu casses que 5 euros. Ça me pose vraiment problème. Mais je pense que, voilà, ça va faire un petit peu comme tous les pass online, les conneries comme ça. On disait tout à l'heure, le système de pay to win. On a eu, bah, les micro-paiements, il y en a eu dans Diablo 3. Et puis, bah, la communauté, à un moment, elle arrive, elle dit stop, on arrête les conneries. Et c'est enlevé. Ouais. Dans Diablo 3, il y a une communauté qui est extrêmement forte. Diablo 3, ils ont enlevé ce système-là. Enfin, et... Dans GTA 5, ça devait être prévu, ça a été enlevé, puis remis, puis le bordel. On voit que finalement, bon, c'est marginal, ça n'existe quasiment pas. Là, le problème, c'est qu'un jeu comme Forza, il y a tout le monde qui y joue. Donc, ok, Microsoft se fait du blé maximum. Mais je pense que c'est quelque chose qui Oui, va mais très vite couler. Enfin, ça Oui, va. mais pour moi, déjà, on devrait même pas en acheter. C'est vrai que de dire, ouais, vous allez acheter mes voitures, ou même dans Gran Turismo, ou même si t'as plus de 1200 voitures, je veux dire, enfin, pourquoi les micro-transactions, parce que à la rigueur, t'as des packs de voitures qui arrivent un an et demi après la sortie du jeu, dis les mecs, bon, ils ont développé des voitures, ils ont pas eu le temps de le mettre dans le jeu final, voilà. Là, c'est des voitures, des packs qui sortent dès la sortie du jeu. Donc les voitures sont développées. Donc ils auraient pu très bien le foutre dans le jeu ou alors les mettre en téléchargement gratuitement. Là non, les mecs ils ont décidé de le mettre payant parce qu'il y a du fric à se faire. Est-ce que ça va disparaître rapidement? On a bien vu les passes en ligne, ça a duré peut-être 5 ans facilement Oh, peut-être pas quand même, enfin, ou peut-être pas tant que 3 ça. ans. Des 3 ans, c'est déjà trop. 3 ans de trop. Donc combien de temps ça va mettre à partir ce genre de truc? Parce que c'est vrai que là, on dit que c'est un jeu de course, mais c'était dans Gears of War, ça pourrait être dans Call of Duty, ça Oui, pourrait être mais dans machin, jusqu'à ça quel pourrait être... point est-ce que ça pourra pas être dans un FIFA où on Voilà. filera au départ 5 équipes et on te dira, bah, Ou tu le veux. fut, pour le fut, tu veux un pack, hop, un pack de 4, tac. C'est déjà le cas. Ah, d'accord, C'est ouais, déjà bon, le cas. Tu peux voilà. déjà acheter avec ton argent. Non, mais là, je veux dire, on Mais parle quand c'est même au cœur depuis le du jeu. début, d'ailleurs, de fut. Oui, fut depuis le début, c'est payable, en effet. Enfin, c'est d'ailleurs pas vraiment une micro-transaction parce que tu payes un petit peu le prix fort. Mais t'imagines dans un FIFA où on arrive, on te dit, vas-y, on te file 5 équipes, et encore les équipes, t'as que les joueurs principaux, t'as pas les remplaçants. Ah, tu veux une équipe complète, c'est 5 euros. Bon, voilà. Mais si on en arrive à ce point-là, ce qui pourrait être, voilà, le maximum, là, les joueurs réagiront, et Mais ça se c'est cassera le figure. surtout ce qui est complètement chiant, c'est que c'est surtout que c'est un jeu AAA, et on précise bien, puisque c'est un jeu qui vaut 70 balles ou 50 balles, et donc t'achètes un jeu 50 balles, c'est pour avoir un jeu fini et pas devoir recasquer 5 euros par 5 euros pour avoir le jeu complet. On a l'impression d'avoir les DLC de Call of Duty ou les DLC de Battlefield ou avoir les DLC pourris qui servent à rien de map ou de quoi que ce soit. Là, je dirais que c'est encore plus de l'arnaque, puisque c'est une ou deux voitures ou même un pack de 5 voitures à 3 euros. Mais si on revient au niveau rapport qualité-prix, je suis persuadé que tes bagnoles, ces bagnoles-là, en plus, je sais pas s'ils sont performants ou quoi que ce soit, mais c'est des bagnoles que tu utilises peut-être 3-4 fois maximum pendant que tu joues. Donc, enfin voilà, c'est vraiment un moyen pour faire du fric, mais un moyen complètement. Enfin, il y a d'autres moyens pour le faire, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Aimez-vous Dark Souls? On connaît pas. Bah, Enfin, on connaît on pas, connaît, on on connaît, non, mais connaît on connaît, mais on n'y a jamais mis nos pattes dessus, donc on peut pas dire qu'on aime, et on peut pas dire qu'on n'aime pas. Non, mais on sait très bien que c'est très compliqué. On sait que c'est dur. Voilà. Bon, c'est pas trop pour nous, en fait. Bon, moi je m'en fous, hein. Là, il y en a un des deux qui jette les manettes apparemment dans la difficulté, faut le savoir. Je plaide coupable. La facilité dans les jeux vidéo, qu'en pensez-vous? Ah, C'est on le avait débat qu'on a dit. eu la semaine dernière, et Ouais. à la rigueur, je t'invite à aller revoir la vidéo de la semaine dernière. On fera pas aussi long, hein, parce que là, Non. on s'était bien étendu là-dessus, et c'était d'ailleurs très sympa d'en parler. Voilà, là, comme on avait dit, si je reprends un petit peu la difficulté, elle a foutu le camp depuis un petit peu de temps. C'est au profit d'une narration améliorée, c'est pour pas couper le joueur de cette fameuse narration chère à David Cage entre autres, où on veut que bah, le joueur avance et qu'il reste pas bloqué et qu'il reste surtout pas bloqué dans des mécaniques de jeu. On veut que le joueur il rentre dans une histoire et pas qu'il reste en surface sur un jeu avec des mécaniques de gameplay. C'est un petit peu l'idée à travers tout ça. Bon, maintenant.
Moi, je trouve personnellement que c'est aller trop loin. C'est-à-dire que qu'il y ait des jeux, bon, par exemple, les jeux à David Cage, c'est son style, c'est son truc, je dis rien contre ça, ok. Mais il y a beaucoup, beaucoup de jeux aujourd'hui qui sont trop faciles. Tous les jeux à la troisième personne en général, enfin, les TPS, sont hyper facilités. Et je prendrais à l'inverse un jeu comme Max Payne 3, qui lui misait en disant, voilà, je vous fais un jeu en mode vraiment dur. Max Payne 3, il s'est ramassé totalement. Et moi, j'ai des gens qui m'ont dit, ah non, mais attends, j'ai essayé, je suis mort trois fois sur le premier niveau. J'ai arrêté tout de suite et j'ai rendu le jeu. Moi, je lui ai dit, mais attends, comment tu faisais il y a 10 ans, ou un Prince of Persia, tu recommençais 8 fois le même passage parce que fallait le faire ou quoi que ce soit. Voilà, c'est la marche du temps qui veut ça. Les gros jeux deviennent de plus en plus faciles. Maintenant, il y a toujours des jeux qui restent assez difficiles, qui restent assez élitistes. Et je pense qu'il faudra là se pencher un petit peu plus du côté des indépendants. J'ai Super Meat Boy dans la tête, où j'ai sur le même principe. Voilà, il y a tout un tas de jeux comme ça, Diablo 3 par exemple, on était en train d'en parler avec ces modes de difficulté de malade. Voilà, si tu veux de la difficulté aujourd'hui, il faut un petit peu la gratter. On peut espérer revoir ça quand même revenir. Je disais Max Payne 3 qui a essayé de refaire le pas. On a vu BioShock Infinite qui nous a proposé son mode 1999. Pourquoi pas essayer de recrocher comme ça des jeux où les joueurs vont s'arracher un petit peu, où il va falloir être bon pour passer. Mais ce sera de toute façon pas une Après, majorité. ce qui est dommage dans les jeux maintenant, c'est qu'on a l'impression que tout a été décalé. C'est-à-dire que on a l'impression que le normal est devenu le facile, et le facile très facile, et le difficile le normal. On a vraiment l'impression de ça, moi, quand j'en parle et tout ça. C'est vrai que aujourd'hui, tu fais un jeu, tu dis, ah bah tiens, je vais faire un normal, je vais avoir un peu de difficulté, tu t'aperçois qu'en fait, t'as presque aucune difficulté. Par contre, pour avoir un petit peu de difficulté, faut que tu commences à mettre en difficile. Ça, c'est vraiment le. On a l'impression que tous les modes Sont comme ça décalés. se sont décalés. C'est voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on t'assiste pas mal avec des checkpoints à tout va, avec tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est quand même habitué à la facilité. C'est surtout ça, c'est que tous les jeux sont maintenant comme ça. On en aurait 3-4 avec des checkpoints partout, des machins. On s'en foutrait, on dirait, ah bah oui, celui-là il est trop facile, c'est de la merde. Alors que maintenant, quand c'est trop dur, c'est non, c'est trop difficile, c'est de la merde. Donc c'est comme ça. Après, moi je suis dans le cas, par exemple, j'aime pas recommencer 3000 fois le passage. Tout dépend le passage, parce que c'est vrai que t'as des passages, Deadfall Adventure, des fois tu te fais avoir par des pièges à steak, parce que t'es pas au courant qu'il y en a un, tout ça. Tu recommences le passage parce que les checkpoints sont justement faits pour que tu recommences tout ce que tu viens de faire. Bah, ça m'a pas dérangé plus que ça. Après, c'est vrai qu'un truc comme Battlefield 4, où tu te fais chier tout le long du machin, t'as pas envie de recommencer les phases, lui il te fait chier parce que tu recommences les phases. Donc c'est vrai que la facilité, elle est dans les jeux. C'est comme ça, je pense que la difficulté va revenir dans des jeux un peu plus classiques comme Razengoon ou encore Knack sur PS4. Ce sont des exemples de jeux difficiles qu'il faut. Difficile, oui, avec des guillemets. Mais Voilà, mais bon, je quand même. reprendrai ton exemple, là, tu dis Deadfall, t'as recommencé une fois, t'aurais pas accepté de recommencer 4, 5, 6, 10 fois le passage, Ah bah par si, exemple. parfois j'ai fait des passages où j'ai recommencé plusieurs fois. Non, mais là, je te parle de recommencer 10 fois comme on faisait à l'époque. Moi, j'ai des souvenirs des premiers Tomb Raider, où les premiers Tomb Raider, si t'étais pas. Je dis toi, mais si tu veux, c'est cette Ah, bien façon, sûr. d'accord. C'est. Voilà, là, tu dis, voilà, le jeu est sympa et tout ça. Tu passes, t'as une énigme. Aujourd'hui, si l'énigme, tu la rates une première fois, tu dis, ah bon, d'accord. Si tu la rates une deuxième fois, soit tu vas aller chercher la solution sur Internet, soit tu vas arrêter le jeu parce que tu vas dire ça me pète les couilles. Alors que il y a un temps, et je parlerai par exemple des Tomb Raider, Oui. les premiers Tomb Raider, les trois premiers, bah voilà, je veux dire, il y avait des énigmes, il fallait que tu t'y reprennes 8 fois pour au bout arriver à la faire, il fallait que tu la fasses parfaitement pour arriver à passer pile poil en timing. C'est des choses qui sont aujourd'hui plus possibles. Alors c'est aussi l'évolution technique et tout ça, l'évolution technologique qui veut ça, l'évolution des mentalités, l'évolution du jeu vidéo en tant que tel. Peut-être que la difficulté un jour ça sera juste un lointain ancêtre, mais je pense que ça peut pas disparaître complètement. Ça fait partie aussi du jeu et il va falloir, et les joueurs sont de plus en plus demandeurs de jeux où il faut s'arracher, voilà, il y a de plus en plus de monde qui disent oui, Réaliste. c'est bien, c'est sympa d'avoir une belle histoire et tout ça, et entre deux j'ai envie de me poser sur un Beyond et de dire ok, mais après avoir fait mon Beyond, allez, j'ai envie de rentrer un petit peu dans le large, j'ai envie de vivre un truc où le jeu va me mettre à l'épreuve. Je pense que on va voir revenir un petit peu ça, enfin en tout cas je l'espère, dans les prochaines années. Après, il y a la difficulté aussi, le côté réalisme des jeux. On voit par exemple GTA GTA qui ou Max mise, Payne par exemple, voilà, ou c'était Max Payne ça. qui mise sur les 2-3 balles, t'es mort.
Ça, je pense que dans les pro... c'est ce que j'attends un petit peu dans les prochaines générations, c'est qu'il y ait vraiment ça, qu'il y ait vraiment un côté réalisme beaucoup plus présent qu'aujourd'hui, avec voilà des trucs, des mouvements, des enfin tout un peu plus réalisme, un peu plus réaliste qu'aujourd'hui. Donc on peut s'attendre à revoir un petit peu la difficulté en revenir, mais il n'y aura pas que ça, hein, parce qu'on voit très bien les jeux de line-up sont pas très compliqués. Donc ça montre quand même que on veut que toute la famille puisse quand même jouer aux jeux vidéo. Donc la difficulté sera vraiment pour les jeux qui sont assez classiques, Et puis des qui jeux qui déjà s'adresseront indépendants plus et puis des presque jeux qui aussi. s'adresseront aux hardcore Oui, gamers voilà, quoi, c'est ça. qui iront les chercher ces jeux-là. À quand un jeu où tu prends une balle, tu meurs et tu dois acheter un nouveau jeu quoi. Vraiment, moi j'attends ce jeu avec impatience. Bah tu sais qu'il y avait Zombie U, bon tu rachetais pas le jeu évidemment, Non, tu as acheté. non mais dans Zombie U il y avait un mode qui est Ah, c'est le mode normal, c'est. non, le mode normal, tu meurs, tu recommences, Ah oui, mais il d'accord, y avait un mode oui. où, Oui, où tu mourais, game over, fin de la partie, retour à la case départ. Je sais pas d'ailleurs s'il y a beaucoup de monde qui a été faire ce mode Non, hardcore-là, mais après Zombie U, t'avais ce mode-là, mais bon, le mode normal, le mode c'était un normal petit était peu comme ça aussi, le aussi, mode parce que normal tu était corsé recommençais avec aussi, hein, était sympatoche. un nouveau survivant, donc. Le film Warcraft repoussé à tout va-t-on le voir un jour au cinéma? 8 mars 2016. Ouais, alors là, il a été repoussé, c'est vrai, deux fois de suite en 2 semaines, parce qu'on en a parlé la semaine dernière aussi. Mais comment? Mais disons qu'il a été repoussé une première fois parce que en retard. Et puis après, ils ont dit merde, attends, en fait, on l'a repoussé un petit peu n'importe comment. Star Wars. Il y a Star Wars à côté, il y avait deux, trois autres conneries à côté. Donc bon, finalement, voilà, c'est pas vraiment deux reports pour les mêmes Non. raisons. Faut le prendre, je pense, plus comme un seul Oui. et même report. De toute façon, le tournage est programmé pour à partir de janvier 2014, donc on verra un jour, hein. Ouais, Il y a pas de souci, normalement. à part si le réalisateur meurt ou quoi que ce soit dans un typhon en Thaïlande et voilà, mais sinon non, il verra le jour normalement. Les jeux érotiques, vous en pensez quoi? D'accord. C'est japonais d'abord. Oui, C'est bah forcément. japonais. Non, pas forcément. Enfin. Si tu considères Killer is Dead comme érotique, Ouais, mais c'est. ouais, Enfin, bon. ça, c'est. Ce sont des jeux qui n'ont pas de sens. Enfin, je veux dire, il n'y a pas intérêt à dire on va faire un jeu pour telle ou telle raison. Un jeu vidéo, ça doit te raconter une histoire, il doit se passer quelque chose, tu dois vivre une expérience, tu dois vivre quelque chose de fort, enfin, être aux commandes d'un truc. Et donc, enfin, pour moi, ça a pas de sens, tout simplement. C'est juste ça, quoi. Il y en a qui existent, il y a des jeux au Japon, là, où je. Enfin bon, c'est des trucs japonais, les japonais, ils ont pris deux bombes atomiques sur la gueule, alors c'est ça, Ils ont ça a trouvé dû les secouer un l'utilité petit peu de les. l'Oculus Rift d'ailleurs avec. Oui. Oui. Mais non mais bon, je veux dire, voilà, les japonais ils font ce C'est qu'ils veulent sur leur japonais, quoi. péninsule, on les laisse tranquilles, il n'y a pas de souci, entre nous ils nous font des trucs super sympas d'ailleurs, mais voilà, pour moi je pense que ça n'a pas d'intérêt, simplement. Voilà, donc bah, on n'a plus de questions. Est-ce que vous en avez encore ou est-ce qu'on s'arrête là? C'est vous qui décidez des questions sur le jeu vidéo, aussi sur le cinéma et la musique, si vous avez envie, hein. N'hésitez pas, on est au courant de tout, ou presque. Les DLC, c'est faire payer un jeu deux fois? Ça dépend de DLC. C'est moins vrai. C'est moins vrai quand même. Aujourd'hui, on a des DLC qui Voilà, sont de plus on en est. plus de bonne Ouais, qualité. enfin, ça a quand même du mal. Hein. Je veux dire, le DLC, c'est les maps, les machins, les trucs comme ça sert Ça, on est d'accord, strictement mais je prendrais quand t'es par pas exemple casqué. le Borderlands 2 aussi, Borderlands mais. 2 ou Bioshock Infinite ou Gears of War 3 par exemple. C'est pas Ou du à tout la Wake, par exemple. ou Alan Wake. Non, mais c'est pas du tout de faire payer le jeu en plusieurs fois. C'est dire, bah t'as payé le jeu et tout ça est super et on t'en est reconnaissant. Maintenant, nous derrière, on a continué à bosser dessus. On n'a pas abandonné le truc et regarde, on t'a fait un petit bout en plus. C'est-à-dire que voilà, en 6 mois, voilà ce qu'on a été capable de te faire, en 6 ou en 3 mois par exemple. Et alors je suis d'accord que quand t'as le DLC qui sort le jour de la Voilà, c'est sortie, ça. c'est un peu dur à avaler, mais maintenant, bon, avec les Season Pass, on sort pour 25 € grosso modo, 20 ou 25 €, et c'est pour dire, voilà, le gars il a bossé un an, c'est-à-dire c'est pas suffisant pour refaire un jeu, mais en même temps c'est assez pour proposer un petit peu de contenu. Donc je pense que c'est une rétribution logique un petit peu du travail des gens. Après on est d'accord qu'un DLC type Call of, je suis désolé, je vais encore taper sur Call of, mais un DLC type Call of où on dit vas-y crac, on te balance trois maps, 15 boules,
Là, c'est de l'arnaque. C'est payer ton jeu Mais en est-ce X que fois. déjà les Call of de base ne sont pas des DLC? Non, c'est. On ne dira rien C'est toi qui l'as aujourd'hui. dit, Oni, on est Voilà. d'accord, hein? Voilà. J'assume Je suis amplement. pas d'accord. J'ai dit Call of Duty meilleur jeu de l'année, je suis désolé, mais non, je suis pas d'accord. Mais non, mais après, bon, c'est vrai que voilà, quand y a un jeu et qu'on te dit le DLC sort, bah, je vois, c'est arrivé pour Gears of War 3, le jeu venait de sortir et on disait, ah, la semaine prochaine, y a le DLC qui est prévu. Tu dis, les mecs, quand même, ils auraient pu me le mettre Ouais. dedans. Bon, après, ils ont continué, ils en ont fourni d'autres. Donc, tu pouvais dire, ok, j'achète le Season Pass, et comme ça, t'avais 4 Ouais. DLC avec des maps en plus, mais surtout des bouts d'histoire, des bouts de machin, des Ouais, trucs. C'était conséquent quand même. Borderlands 2, pareil. Même si le premier DLC est arrivé bien plus tard. moi c'est surtout ça qui me dérange, c'est les DLC qui sont déjà prévus avant la sortie, avant la date de sortie ou qui sortent le jour de la sortie. On a vu par exemple cette année avec Battlefield 4 où précommandé vous avez Chanhaïton, vous avez le triple pack overcheaté de la mort qui tue dès la sortie. Non mais attends les gars, faut pas déconner. Ça c'est des genres de DLC qui sont faits bien, ils sont faits pendant le développement du jeu et qui peuvent très bien rajouter dans le jeu final sans souci. Ça, je trouve vraiment que c'est des DLC qui valent pas le coup. Après, quand c'est des DLC qui sortent 6 mois, 1 an, voire aujourd'hui, Borderlands 2, il y a encore des DLC qui sortent dessus, tu te dis les mecs, ils bossent sur le jeu, ils connaissent leur sujet, ils sortent un truc qui vaut le coup. Alors parfois, ça vaut pas le coup même si c'est 6 mois, mais souvent c'est des trucs qui sont assez bien travaillés, des trucs par exemple Alan Wake qui te permettent de connaître un peu plus l'histoire, qui te balancent un peu plus dans l'histoire. Donc voilà. Les DLC souvent de toute façon c'est fait pour les fans des séries, les fans des jeux, plus avant tout que les joueurs lambda qui bon tiens, je viens d'essayer Borderlands 2, tiens. C'est plus fait pour ça. Et Borderlands 2, par exemple, c'est typiquement le DLC qui vaut vraiment le coup parce que c'est bossé, c'est tout ça. Je les ai tous et ils sont Donc il faut pas pour la l'exploiter mal. quasi-totalité excellents, quoi. Oui, voilà, c'est excellent Borderlands 2. Mais Exact. c'est ça, les DLC, il faut pas en abuser. C'est ça, faut pas en abuser, faut pas dire j'achète le DLC alors qu'il vient de sortir avec mon jeu. Enfin voilà, ça c'est une connerie. Tu sais très bien que le DLC sera moisi et ou alors même s'il est très bien, tu dis merci de m'avoir fait payer encore en plus que 70 euros. Donc c'est pas très cohérent. De toute façon, le meilleur DLC, ça restera quand même le premier Prince of Persia console qui est maintenant current gen, où pour avoir la fin du Voilà. jeu, il fallait payer un DLC. Ça, c'était quand même assez Ah oui? magique. Ah oui. Tu me diras, je l'ai pas Non, c'est poussé vrai, jusqu'à la fin. Bah, celui dont tu parlais, où on était immortel Ouais. la dernière Ouais, je fois. vois. Avez-vous des nouvelles de Dark Souls 2? Non. Non, bah, il était jouable au Paris Game Week, et donc il va arriver très Ouais, en bientôt. mars, je crois. Je crois qu'il a une date de 14 sortie, mars. hein. Mais donc bon, d'ici là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on est de plein pied dans le mois de décembre. Il y a les VGA là sur le début, enfin VGA, VGX, tu t'appelles ça comme tu veux, samedi prochain, où on va avoir une flopée de titres triple A, quadruple A, voilà, avec des budgets faramineux. On va nous en balancer plein la gueule. Et le reste, là, ça se stagne. Donc forcément, enfin voilà, Dark Souls 2, s'il sort en mars, tu vas en entendre parler. Peut-être vite fait là, début décembre, mais après c'est une ou deux annonces en janvier, Oui, enfin des vidéos vite fait avant de lancer le jeu. c'est Namco quand même, hein, c'est quand Ouais, même. c'est Namco, c'est pas non plus des dingues de communication. Et puis Dark Souls 2, c'est un jeu de pas de niche, mais en tout cas de fans. Donc voilà, ils savent déjà qu'ils ont leur base de fans qui va aller le chercher. Et je pense pas qu'ils aient vraiment envie d'aller chercher d'autres personnes que, enfin, beaucoup plus de personnes que ces fans-là. Donc, nous, on n'a pas d'infos et je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans les prochaines semaines. La version HD des anciens jeux, qu'en pensez-vous? Bonne idée, après faut que ce soit bien fait, faut que ce soit vraiment HD quoi. Parce que Ouais. t'as des jeux où c'est juste on te remet le même jeu que sur PS1 ou PS2, on te le refourgue en version HD entre guillemets, C'est du ça vaut vraiment pas lissage. le coup. Ouais, c'est Sia, ça, ouais, hein? un Du portage, ouais, lissage, enfin. ouais, portage, ouais. Non, non, du lissage. Ils lissent les Ah, images, lissage, en pardon. fait. Il y a moins les Oui. pixels sur le côté, c'est tout ce qu'ils font. Ouais voilà mais par contre certaines versions HD qui là-dessus sont bien comme on avait Halo sur Ah oui. Xbox 360 qui était Ah. une excellente version HD Halo Combat Evolved, voilà Meilleur qui te Soleil. permettait de revoir
le jeu avec vraiment des graphismes c'était vraiment changés. Hein, voilà, c'était vraiment énorme. Quasiment pas le même jeu. Ça, c'est vraiment des trucs HD qui permettent de redécouvrir le jeu d'une autre façon parce que les graphismes sont meilleurs. Ouais, après, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a, plein. J'ai par exemple la Metal Gear Solid, le HD Collection, le HD Collection de Son of the Ender. Dans l'esprit qui sont très marqués, enfin qui n'ont absolument pas été refaits, c'est-à-dire comme tu dis c'est du lissage quasiment uniquement. Pareil, il y avait eu le Metal Gear Legacy Pack. Ils ne méritent certainement pas leur appellation HD. Il y a peut-être le son qui a été remixé ou ce genre de conneries là, mais moi je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça permet de faire redécouvrir ces jeux qui sont extraordinaires, qui sont excellents. À des gens qui ne les connaissent pas. Et c'est aussi une autre époque du jeu vidéo, c'est aussi des jeux qui sont vraiment pensés différemment. Et je trouve que quand on les fait avec les graphismes de l'époque, justement, on se replace dans ce contexte-là, où on relativise toutes les choses. Aujourd'hui, si ton jeu il est pas méga ouf en graphisme, et s'il est pas dingue, tu cries au scandale. Là, quand tu reprends ces jeux-là, en fait, ben justement, tu relativises vachement parce que tu dis, putain, en fait, il y a quelque chose d'autre derrière... voilà, là on te balance des polygones, c'est des triangles, c'est des carrés tout moche, mais finalement c'est des carrés qui ont une âme, que certains jeux aujourd'hui n'ont peut-être pas. Enfin voilà, il y avait vraiment une force dans ces jeux-là, en tout cas dans les jeux que j'ai cités, parce que tous les jeux de cette époque-là, d'époque PS1, PS2, sont pas extraordinaires, hein, soyons honnêtes, mais je trouve ça intelligent de dire à des gens qui aujourd'hui sont abreuvés de Call of Duty et de trucs, waouh, vas-y, regarde, ça explose, wouh, c'est joli, achète. Bah non, leur dire, regardez les gars, il y a des trucs, et tu prends aujourd'hui Metal Gear Solid 2 ou 3 du HD Collection, alors oui, ça va piquer les yeux si tu viens de GTA 5 et tu vas dire, oula, attends, ça manque un peu de détails. Mais en fait, l'univers est cohérent, tu te plonges dedans, et t'en oublies, et tu rentres dans un jeu vidéo. Tu sais plus que... Enfin voilà, je veux dire, l'image, tu te la fais mentalement et tu vois plus les polygones ou quoi que ce soit. Tu te dis, ok, je suis sur un tanker, c'est le bordel, il faut que j'aille sauver le président. C'est parti, tu rentres dans le jeu. Moi, je trouve que ces opérations-là, même si c'est pas HD et tout ça, ça permet de redécouvrir ou de découvrir des perles du jeu vidéo à moindre prix. Et je dirais que ça n'a pas de prix pour tout le reste, c'est Mastercard. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de reprendre une collection quand tu as vraiment le jeu encore en ta possession? Si t'as le jeu encore, à moins d'être absolument maboule comme moi et de vouloir tous les objets Metal Gear Solid, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Mais ça ne vaut pas le coup. Si tu peux encore y jouer à la version d'origine, ça vaut pas forcément le coup. Mais je pense que c'est plus un truc qui est fait pour dire, tu n'as plus la version d'origine. Tu veux y jouer encore, plus la possibilité, comme moi, je veux dire, ma PlayStation 2 aujourd'hui ne marche plus, enfin je crois, ou c'est les manettes, ou c'est un truc comme ça, il faudrait que je rebranche, c'est tout un micmac, je préfère aller acheter le jeu, ça m'a coûté quoi, 35 euros, un truc comme ça, 35 euros pour une expérience, hein, l'expérience, ça n'a vraiment pas de prix, j'aurais été prêt à payer beaucoup plus, et non seulement pour moi qui suis fan, enfin pour les gens qui sont fans et qui ont déjà eu le jeu, mais je te dis, tous les gens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, à la rigueur, moi je pense surtout aux jeunes, aux gens qui sont nés en l'an 2000 ou ce genre de choses-là, qui n'ont vraiment pas connu cette période-là, et de leur montrer, de leur dire, le jeu vidéo, les gars, c'est ça, ça vient de là, les trucs. Tu crois que Call of Duty l'a tout inventé? Non. Enfin, je dis Call of Duty, encore une fois, je tape un petit peu dessus gratuitement, mais c'est pas le seul. Voilà, tu penses que tous ces jeux-là, ils ont inventé le fil à couper le beurre? Bah non, il y avait quelqu'un avant qui faisait un boulot bien meilleur. Les versions Lego des sagas épiques, qu'en pensez-vous? C'est drôle. Oui, c'est drôle. C'est bien, mais faut pas en abuser parce que là, on voit clairement que là, Lego a quand même pas mal de succès parce que c'est des bons jeux. Aujourd'hui, ils arrivent à faire des trucs quand même sympathiques avec Lego Seigneur des Anneaux qui est sorti l'année dernière. Et là, ce Lego Heroes qui est Marvel. Oui, voilà, Marvel Heroes. Et qui sont deux jeux en monde ouvert et des bons jeux, franchement. Là, on va avoir Lego The Hobbit, on va avoir Lego... on a eu Lego Undercover sur Wii U, on va avoir un autre Lego... Ouais, Lego Undercover, lequel. C'est différent. Moi, ouais, mais bon, ça reste quand même TT Games. Moi, ce que j'ai vraiment peur avec ça, c'est que TT Games se mette à trop de jeux d'un coup, à trop de jeux Lego, tu sais, ils vont arriver à où... C'est surtout que, voilà, les évolutions sont très minces. Les jeux Lego, ils ont toujours eu des problèmes récurrents, des caméras, des trucs comme ça, des bugs à droite à gauche. Ça n'a absolument jamais été changé, en réalité. Lego Seigneur des Anneaux était en effet une vraie avancée, puisqu'il y avait ce monde ouvert qui arrivait, qui avait une cohérence dans l'univers du Seigneur des Anneaux, qui était très intelligent,
très bien fait, toujours avec de l'humour et tout ça. Donc les jeux Lego, on est d'accord, la base, ce sont des jeux qui sont bien faits, qui sont drôles, qui sont sympathiques, qui sont pour toute la famille, pour tout le monde, qui n'ont pas de difficultés, par exemple. Mais moi, j'ai un petit peu plus de mal, par exemple, avec Lego. La Marvel Super Heroes, j'ai l'impression que c'est un petit peu surfé sur l'air du temps, et surtout Lego The Hobbit. Parce que là, je me dis, là, les mecs, vous vous foulez pas, quoi. Vous avez juste repris le Seigneur des Anneaux, vous changez trois personnages, grosso merdo, c'est un petit peu ça. Je trouve que, voilà, The Hobbit, là, le film vient de sortir, on n'a même pas fini la trilogie du film. Ça veut dire qu'on va peut-être voir encore un Lego The Hobbit 3. Je trouve que c'est un petit peu violent, commercialement parlant. Après, je te dis, moi, je crois que fin d'année, il y en a encore un autre prévu. Ouais, il faut savoir qu'il y a des épisodes 3DS, comme il y a eu dernièrement Lego... un truc du genre, hein, c'est vraiment ça, c'est un truc qui reprend une série pour les gamines. Enfin vraiment, tout le temps, t'as à chaque fois qu'il y a un épisode console, souvent t'as un épisode 3DS qui n'a rien à voir mais qui sort en même temps. Donc je me dis que TT Games, ils sont peut-être à faire trop de jeux en même temps, là, et tous les 6 mois sortir un jeu Lego, parce qu'un jeu Lego, pour que ce soit drôle, faut que ce soit travaillé quand même un minimum. Ouais, mais en fait, il y a des dialogues, etc. Ils les font à la chaîne, ils changent rien, si ce n'est les dialogues et tout ça, le reste du gameplay change pas. Ouais, non, ouais. Et alors certes, c'est pas mauvais, mais quand même, on pourrait se dire, allez, les gars, faites-nous surtout avec l'arrivée de la Next Gen, on peut s'attendre quand même, on aurait pu s'attendre à avoir plus de particules, plus de choses comme ça, et arriver là, bah, il n'y a pas grand chose qui change. Alors, on verra bien ce que ça donnera, mais c'est vrai que là, l'idée de base est une super idée, mais il ne faut pas trop non plus que ça fasse du marketing comme c'est en train de se faire, quoi. J'avais une question, je l'ai perdue. Suite au HD, au jeu HD, ça veut dire que les jeux New Gen vont à l'encontre de notre imagination? Parce que tu as parlé de se replacer dans l'époque, d'imaginer... Oui et non, parce que on a des jeux qui sont aujourd'hui de plus en plus spectaculaires. Je dis pas que les jeux ont moins d'immersion et qu'on s'immerge pas, mais le fait que ces jeux étaient assez mal faits, enfin c'était pareil, notamment, enfin comparé à aujourd'hui, hein, bien entendu. Mais voilà, aujourd'hui tu vois, je prends Metal Gear Solid parce que j'en parle et que je connais, tu vois Metal Gear Solid, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, un peu moins, mais le premier ou le deuxième. Tu dis ok, ça a absolument rien de photoréaliste. Le troisième essaie de s'en approcher, donc tu peux dire ok. Mais notamment ces vieux jeux sur PS1, sur le début de la PS2, ça n'a tellement rien de photoréaliste que moi j'ai plus l'impression d'être un petit peu avec tes, enfin comme quand j'étais gamin où tu prenais tes marionnettes, tes figurines, tes machins et tu te faisais ton monde et ton monde tu te le faisais toi-même mentalement. Je dis pas que c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est différent. L'immersion, le jeu nous immerge. On est immergé, on est dans ce monde. On n'est pas en train de toucher le monde. Je prends par exemple BioShock Infinite, qui l'a fait très bien, qui moi m'a énormément touché, où j'ai l'impression dans BioShock Infinite de plonger et d'arriver sur Columbia. Et je me dis, j'ai l'impression qu'en tournant la tête, je vais voir les bâtiments et tout ça autour de moi. Le truc, c'est que je ne peux pas toucher à cet univers-là. Enfin voilà, c'est une histoire de sentiments, c'est une histoire de ressenti, de ressentiment. Voilà, j'ai l'impression que sur ces vieux jeux, on avait l'idée d'être un petit peu le créateur, de dire je touche aux jeux vidéo de très près, parce qu'on comprenait les mécaniques du truc, on comprenait un gars quand il faisait une ronde, on voyait très bien sa ronde se faire, enfin c'était voilà, c'était très très détaillé puisque c'était de la technique de l'époque, c'est juste de la programmation qui a évolué, et aujourd'hui on essaie de te faire croire que les jeux sont intelligents et tout ça. Et du coup, je trouve que ça casse un petit peu cette idée où on est immergé, oui, dans un jeu, mais on n'est pas en train de se dire « Ah, je touche le jeu ». Je dis comme tu pourrais le faire avec tes marionnettes. Si tu fais des marionnettes, des figurines, des machins, tu dis « Ah, je prends le garde, il va faire son tour ». Tu le ferais toi-même, le tour. C'est comme ça que c'était fait à l'époque. Et je trouve intéressant de le remettre aujourd'hui à tout le monde. Je dis à des jeunes qui n'ont pas forcément connu ça, mais à tout le monde pour s'en mettre dans le contexte et pour relativiser aussi, parce que parfois j'entends des trucs, bon, notamment sur BioShock Infinite, qui en ce moment s'en prend un peu plein la gueule. J'ai envie de dire, oh les gars, relativisez, reprenez un petit peu, prenez un petit peu du recul, regardez ces trucs-là, vous les trouviez géniaux pour telle et telle raison, les jeux d'aujourd'hui sont pas moins bons, ils sont juste différents. Mais je trouve intéressant d'avoir la comparaison, quoi.
Alors par contre Antoine, je sais pas si c'est une question les jeux sur navigateur. Alors, pour moi c'est pas une question, donc si c'est une question soit un peu plus. Ouais, juste les jeux sur navigateur, ça sert juste à passer le temps, quoi. Ouais, C'est ça. c'est Ça va pas ça. plus loin, quoi. C'est tout. Comme les jeux mobiles, d'ailleurs. Oui, non, mais les jeux sur navigateur, c'est sympa. Hein. Moi, ça m'est arrivé, toi aussi, hein, Oui. de tomber sur un bon jeu navigateur. Tu y restes plusieurs mois. J'y en a, j'étais resté plusieurs années. Puis il a suffi qu'un jour, le Mars jeu se Ball. mette à merder. Pas Mars Ball. Ouais, c'était ça, Mars Ball ou une connerie comme ça. Et puis le jeu s'est mis à merder. D'un coup, il m'a dit, oh, t'es viré. J'étais dans les 10 premiers mondiaux, je me souviens. C'était un jeu français, donc c'était quasiment les 10 premiers français. Mais et un jour, le jeu a fait, hey, t'as triché, boum, t'es viré. Je fais quoi? J'ai pas triché, le jeu avait juste bugué. Et là, d'un coup, il dit, boum, tu repars de zéro. Bon, bah non, excuse-moi, je suis passé à autre chose. Mais les jeux sur navigateur, ouais, c'est ça, faut les voir comme des passe-temps. Voilà. Quel film avez-vous hâte de voir? Le The Hobbit 2, j'avais vu le premier, donc j'ai envie de voir le Ouais. deuxième un petit peu pour Moi, voir ce pas que ça donne. spécialement. Il y a le loup de Wall Street Oui. qui me donne vraiment envie, Oui, le loup de Wall quoi. Street. Après, j'ai un autre film. Un truc, je crois qu'il y a un truc de super-héros, je crois. Bah, il y a non, j'allais dire Thor 2, mais il est déjà arrivé. Il y a Captain Non. America mais qui Bon, arrive tard. enfin, je sais plus Il y a les exactement. X-Men. Il y a Ouais, peut-être. Superman versus Batman. Ouais, mais ça, c'est pour plus tard, Spider-Man mais. Amazing 2 aussi. Spider-Man Amazing 2, Ouais, ouais, ça, les pas Avengers. trop, ouais. Mais non, ouais, le X-Men que j'ai envie de voir comment ça se déroule. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des films de guerre, par exemple, qui ont l'air très sympathiques, Oui. comme Du sang et des larmes, par Non, mais il y a exemple. celui qu'on a comment qui va sortir là certainement très bientôt, qui parle d'une brigade pendant la Seconde Guerre mondiale de Oui, soldats avec américains Clooney, tout ça, avec non? George Clooney, ouais. Oui, ça, je sais plus le nom. Je sais plus le nom, mais en gros c'est une brigade, c'est une histoire vraie. C'est une brigade américaine qui avait été envoyée en France pour sauver les œuvres d'art qui étaient brûlées par les soldats nazis. Et donc c'est un film. C'est pas un film de guerre en fait, c'est un film sur la guerre d'une certaine façon, mais Ouais. c'est super sympa. Après, il y a aussi La drôle de vie de Walter Mitty, un truc du Ah genre, oui, t'as raison. qui a l'air très bon Avec Ben aussi, Stiller. ouais, avec Ben Stiller. Après, pour l'instant, c'est vrai c'est tout. C'est déjà pas Il y a mal. pas de Quentin Tarantino, donc c'est un peu vide, quoi. Il y a que de la merde qui sort, voilà. S'il n'y a pas Tarantino, il n'y a rien. Pacific Rim, vous l'avez trouvé bien ou pas? Pas vu. Pas vu, mais on a entendu que lui bien, oui. Ouais. C'est juste qu'il faut mettre son cerveau à côté et tu regardes, chut, parce que t'en prends une grosse claque dans la gueule. C'est du, je sais plus comment il s'appelle, Del Toro. Ouais, Benicio del Toro, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Ça fait Voilà, marque de c'est. préservatif, mais voilà, c'est son style. Alors après Hellboy où c'était, il y avait une histoire. Là, bon, on enlève un peu l'histoire, on en fout je plein la gueule. le film se veut comme ça, c'est-à-dire Oui, bien sûr, il que est vendu comme ça. il se présente en disant, en gros, je suis un Transformers qui n'essaie pas de vous vendre une histoire à deux balles. Voilà, Transformers, on essaie de te faire une histoire d'amour, un truc, machin, le personnage, le héros. Non, là, on s'en fout. C'est juste des putains de méga monstres qui se battent contre des putains de méga monstres et ça fait des Voilà, explosions de malade, quoi. c'est comme si tu jouais avec tes figurines, mais là tu le vois en En vrai, 3D. quoi. En 3D, apparemment, il claque sévère. Bon, voilà, c'est un bon film. C'est pas, voilà, C'est ce un sera pas un film d'auteur, quoi, mais c'est un bon film pour Très passer bon son temps. divertissement, quoi. Un très bon divertissement, voilà, c'est ça. Bon, je disais ce que disait Tenshiro. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Il n'y a plus de questions. Donc, je rappelle vous pouvez les suivre sur leur site totalgamer.com. Vous pouvez les. Total-gamer. Ouais, mais Le tiret est il important. est marqué en dessous de votre Mais faut terrain, pas donc. l'oublier. Faut pas l'oublier parce que parfois on a tendance à oublier le tiret et si vous oubliez le tiret, vous tombez pas Ouais, chez nous. malheureusement. Le nom de Ah. domaine est déjà pris par un Américain. Ouais. Mais Google arrivera à vous trouver même sans tiret. Enfin, arrivera à nous trouver. Donc, allez sur leur Facebook, leur Twitter, leur forum qui est actif et des fois vous faites gagner des jeux, des consoles d'ailleurs On même. vient de faire gagner Pacific Rim justement, puisqu'on vient d'en Oui, parler. et là aujourd'hui, il y a les concours de World War Z et Amnesia 2 Amnesia 2, pas Dieu, non. Amnesia 2 qui vient de terminer, et il y aura les résultats dans la soirée après ce live. Voilà.
Je vais vous poser la dernière question de FX. Les autres, ça sera la semaine prochaine. Quel est votre style musical préféré? Le rag and roll, man. Le motherfucking metal. Ouais, ça c'est un bon truc pour se détendre en fait. Oui, c'est pour se détendre. Ouais. Mais après, moi personnellement, en tout cas, ce qui passe, ce qui a un bon son, j'écoute quoi. Ce qui passe à la radio de temps en temps, ce qui passe à la télé. Tous les trucs de bonhomme. C'est ça, les ouais, trucs. Non, mais toi, je. Non, mais. Les Beyoncé, tu les... vois. Les trucs bon, voilà, qui font bouger la tête, quoi. Mais c'est pas mon genre de musique préférée, c'est juste que, voilà, ça permet d'avoir un fond musical. C'est tout. Après, en termes de musique que j'aime bien écouter, voilà, c'est le métal, l'ordi, des choses comme ça, c'est toujours bien. Voilà. Et ben. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, Bah oui, 20h30. Bah ouais. Bah oui, dimanche prochain, on sera 20h30, là. Ouais. C'est ça. Pas de soucis. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Salut. les Total. Salut.